Comment ça va? On se retrouve ce soir pour le stream sur Star Citizen, sur la 3.16.1 encore et toujours, même si la 3.17 est sur le point d'arriver. PTU dans le réel temps, je rappelle, potentiellement cette fin de semaine, hein, peut-être vendredi, ça pourrait être pas mal. Et donc ouais, aujourd'hui on va faire un petit road trip sur Daymar avec Safrilis qui va nous mener la voie, bien entendu, à partir d'un avant-poste et aller direction l'épave de Javelin, parce que évidemment les missions déconnent un petit peu beaucoup. Et merci Rio pour l'abonnement, merci beaucoup. Les missions déconnent un petit peu beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué de profiter actuellement de l'alpha de Star Citizen. Donc salutations tout le monde, salutations Berserker, salutations Horos, salutations Ultime, salutations Chat Gentil, salutations Akatsukatori, salutations Arne, salutations tout le monde, salutations Rio, salutations Xelon. Bah écoute Rio, ça va tranquillement, j'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, on ensemble jusqu'à 20h sur Star Citizen, ensuite on fera un petit peu de Elden Ring, parce que New Game Plus, et que j'ai envie de compléter un maximum de trucs, et donc il y aura du backseat, ce sera le bienvenu. Vous pourrez me dire, hey Derko, faudra que tu fasses ça, j'ai déjà fini le jeu, donc je m'en fous, vous pourrez m'épauler par rapport à tout ça, y a aucun problème. Et cette station, Josifu. Donc,
Petit point par rapport à aujourd'hui, il y a donc Safrelis qui a fait un petit topo par rapport à ça, à titre informatif. Pour la balade à motojet de ce soir, quelques petits points à noter. La température en surface de Daymar oscille entre moins 50 degrés et plus 80 degrés Celsius. Certes, la moto va vous protéger en partie, mais ce sont les températures enregistrées à bord de la moto. Par conséquent, je vous conseille de porter au moins une armure légère. Moi, personnellement, je partirais sur une armure médium. Sans quoi vous risquez l'hypothermie de nuit et l'hyperthermie de jour, sauf si grelotter ou voir des aurores boréales dans votre casque fait partie de vos délires. Le trajet en moto dure, à bonne allure, dure 30 minutes environ. Il est probable que la recherche de l'épave depuis le sol demande un peu de temps. La réserve d'oxygène étant de 1h20, nous risquons d'être à court d'oxygène. Prendre des oxypènes est recommandé, même si leur utilisation semble défectueuse pour le moment. Peut-être que l'utiliser à 0% d'O2 fera quelque chose. Dans tous les cas, nous tâcherons de fournir un vaisseau pressurisé pour réapprisonner en O2 à l'épave après l'avoir trouvé. Voilà, pour les motojets de départ de Hardcore Manning 141 sur Daymar, notez qu'il est parfaitement possible de faire le trajet en rover avec un cyclone ou en Ursa, ou même un tank, mais avec 220 km de distance à faire et le terrain qui est vaguement accidenté sur au moins 25% du trajet. Ce n'est pas recommandé si vous voulez y arriver avant demain. Donc on va faire ça aujourd'hui, ça va être marrant. Et ça t'assure en gameplay. Et donc Zélon qui dit sur WoW, retour des sous-marins, bah c'est pas pour rien que je fais pas du Warship ce soir. Hein. Voilà, voilà. Et Warship là... Retour du sous-marin plus niveau du joueur. Nah. Je passe mon tour. Et donc ça a été son gameplay, ça a été son scanner. Et ça a été son flabline. Je vais juste relancer Discord parce que j'ai oublié de le lancer en mode administrateur tout à l'heure. Il se lance au lancement du PC. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je vais brancher donc manette et... enfin, joystick et manette des gaz, et on va se lancer tranquillement. Et là, ça ferait lisse. Greyplay, bah écoute, ça va tranquillement, tranquillement, et toi? Donc le bruit USB vient de chez moi. Et le joystick. Hop. Et on va brancher la manette des gaz, et puis on va se lancer. Directement. Directement, directement. Le bruit USB vient de chez moi, encore une fois, c'était la manette. Nous disions... Je vais mettre en vocal, quand même, ça peut être pas mal. Hop. Voilà. Donc il y a Horos qui est en vocal. Coucou Horos. Coucou Derko et coucou le chat. Comment ça va? Ça va très bien. Ça, faudrait que tu viennes en vocal aussi. Alors je sais que t'es pas en statut abonné, mais bon. Pas la première fois qu'on joue ensemble. Mets-toi en vocal, je te fais dans les salons vocaux libres et je te fais glisser. Chalanti, qu'il y a ce que je peux venir sans être en vocal vu ma situation? Bah, si tu veux, oui, mais enfin. C'est pas dit que. Enfin, le truc, c'est si jamais t'as un problème, on le saura pas, vu que moi je désactive toujours le chat et que ce sera pas en vocal. Au pire, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut se mute, mais au moins venir pour avoir les infos directes. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Dans tous les cas, là, moi je rappelle que je suis toujours au niveau de Hearthstone. Hein. Hier, je me suis un petit peu déconnecté à l'arrache. Résultat, je suis. Bah, je suis au niveau de Hearthstone normalement. Hop, et coucou Saf, comment tu vas? Bonjour, ça va et vous? Bah écoute, ça va tranquillement, tranquillement. Et c'était son cookie. Tranquillement autour de... Crusader. Bah moi le temps d'arriver, tout ça... Oui, on n'est pas pressé de toute façon, hein. Le temps de mise en place de tout ça. Au pire, si je suis toujours sur Hearthstone, étant donné que j'ai un... T2 faire taxi. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je suis au niveau de Iris Arbor pour le coup, je pense. Hein. Et merci Flabdine pour le don d'abonnement, merci beaucoup. Ouais, bah, Saf, maintenant t'as un abonnement. Ouh. Merci beaucoup, Flabdine. Ok. Et c'était son Pernel au passage. Cookie qui me disait donc les sous-marins ne serait-il pas une allégorie de l'état du jeu qui sombre si complètement par rapport à Warship, c'est exactement ça, hein, je pense que on peut pas mieux dire. Donc, je vais créer le groupe quand même, histoire de. Faut que je pense que, étant donné que hier j'ai été mis à terre à cause d'un problème de désynchro phénoménal, je vais respawn en tenue médicale, résultat, je vais devoir... me récupérer une armure. Quoique, je dois en avoir en stock des armures médium.
En soi, une armure légère sera suffisante pour pas mourir d'hypothermie ou d'hyperthermie. Ouais, je sais pas si j'ai une armure médium, légère, je veux dire. Je suis Mais sûr en d'avoir une soi, armure. une armure médium marchera mieux, mais une armure légère est suffisante. Est-ce que je viens de stocker un chargeur qui n'a plus de balles? Normalement, je t'ai C'est envoyé possible. une invitation. Putain, le Oui, let's go. l'affichage était à chier. Hein. Ça me dit que tu es sur le PU, donc on va rejoindre ton serveur, écoute. Hein. Ah, bah si vous y arrivez, tant mieux. 44 sur 50, il y avait de la place. Hein. Parfait, je sais pas si les viewers vont trop pouvoir rejoindre, mais. Si ton ami, peut-être ça passe. Et on n'a pas attendu chat gentil. Merde, bon, c'est pas grave. Non, chat gentil, bah, tu peux essayer de le rejoindre dans tous les cas. Il devrait y avoir encore un petit peu de place. Par contre, je trouve que la musique du jeu est vachement forte. Tu l'avais monté hier pour faire apprécier C'est aux vrai. viewers. Faudrait que je la modifie. Et salutations, chat gentil. Allô? Juste vérifier un truc par rapport. Ouais, c'est bon. Je garderai le chat ouvert pour changer. Tac. Donc toi en fait, Horus, t'auras besoin Un petit d'une sur Dragonfly, démarre, c'est t'as pas ça? trop de soucis de carburant avec le Cutlass. Oui, non, ça Non. va être bon. Et t'as besoin d'une Dragonfly, Horus, c'est ça? Théoriquement, oui, mais si jamais je peux servir de truc pour la température. Pour Alors, l'oxygène plutôt. ouais, ouais, plutôt l'oxygène, oui. l'oxygène. En vrai, la température, ça, même en juste undersuit, ça passe presque. On voit des aurores Presque. boréales dans le casque, mais ça passe. Voyons voir, moi il me propose. J'ai quoi? J'aurais pouvoir me stuffer quand même. Je vais me faire un petit. Par contre, faut que je m'achète impérativement des oxypènes. Alors, s'ils marchent, tant mieux. Je peux pas te garantir qu'ils vont y arriver, mais effectivement, ça peut être autant en prendre tant qu'à faire. Moi, je peux venir te chercher sur. Ils vendent des armures sur Virus Armor ou pas hein? Ça, je saurais pas te dire. On va se jeter, hein. 30 secondes, je remets la musique à les niveaux corrects pour éviter de me vriller les tympans. Et Rush a gentil. Il s'était déconnecté parce Hello. que il nous entendait pas. Ah, d'accord. La limite, je prends une armure vraiment à la con. Viteuf, quoi. Peu, hein. En vrai, même avec une armure mismatch Oui, voilà, c'est et ça, même mais. Bon, plus. après, partir avec un minimum de style, c'est mieux. Hein. Bien Le entendu. swag, c'est important. Ah bah, tu vas voir ça si tu regardes le stream que je vais faire tout à l'heure sur Elden Ring. Le swag, c'est très important. Et c'est pas pour rien qu'elle est parmi les gens qui sont les plus friqués, c'est les designers de mode. Hein. Ah, Pas il y faux. a des designers de mode. Pas tout le Ouais, monde en est enfin élégant. bon, ça dépend. Alors, c'est pas ici. Haute courte, non. Oui, armure. Très bien. Alors, quoi qu'on a. Bon, on va se mettre en. Dust up, hein, écoute. Hein. Par contre, il me faudrait un casque qui. Voilà, qui est fermé. Très bien. C'est du médium que je prends là. Hein. Ça fera le taf. Nickel. On va éviter le backpack pour éviter de faire péter les motos. Et je vais prendre des oxypènes. Hi. Welcome. Dans le doute, je vais quand même prendre 2 mètres peine, on sait jamais.
En vrai, si tu te retrouvais dans une situation où tu te blesses pour des raisons X ou Y, la plupart du temps c'est parce que ta moto explose, c'est assez difficile de te ramasser autrement que la petite cuillère. Ouais, sauf que je rappelle que je vais être dans le vaisseau de Horos qui va me servir au taxi. Là, il se D'accord. peut qu'il y ait des soucis de collision, genre de conneries quoi. Donc, dans le doute, Tu ne manges pas et tu n'utilises pas Medpenacy. Voilà, hein, qui fait exploser le vaisseau. Utiliser un Medpen assis, ça fait exploser le vaisseau. En fait, il avait réussi à sortir son Medpen en étant assis dans mon Avenger. Son personnage s'est levé, a utilisé le Medpen, s'est assis, ça a explosé le vaisseau. D'accord. Ne me demande pas pourquoi. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui, alors là, à la différence de l'Avenger apparemment. J'avais bien récupéré un chargeur où il restait une seule balle. Pourquoi conserver un chargeur où il reste une balle? Parce que c'est la balle pour toi. Ah oui. Enfin, pour le carnage, c'est pas bien pratique quand même. Hein. Ah oui, j'avoue. Bah, Kurt Cobain a bien réussi, hein. Oui. Ça, c'est dit. Ok. Bah écoute, Horos, je vois pas les pseudos. Je suis sur Everus, moi. Ok, bah je suis en train d'arriver au niveau des hangars et habitations. Tu vas voir, j'ai une tenue. Qui est pas du tout celle que je prends d'habitude. Tu es au niveau de quel pad? Pour le moment, je suis sur aucun pad. Ah si, je te vois. Je vois ton pseudo. Oui, c'est un bord. Serveur qui a eu un. C'est un gentil qui dit je vous entends toujours pas et mon jeu crash. Bonne soirée en perspective. Ah. Ça commence bien. Et c'était son cauchemar donc, je disais. À mon avis, le fait que tu nous entendes pas, chat gentil, c'est que tu as mal réglé les PFX de sortie et d'entrée sur Discord. Et merci Sagre pour le follow, merci beaucoup. Ou si tu utilises rarement Discord. Alors Horus, j'attends ton feu vert pour me dire quel pad. En train de m'y diriger parce que j'ai eu le bug de tu appelles mais ça sonne dans le vide. Ok. Bah c'est bon, j'ai le pad et je te dis dès que j'arrive. Alors t'es qui dit non, je pense surtout que ça vient de mon pays qui bloque la com audio de Discord. Sérieux? Oh la vache. Autrement, Horus, je prends un vaisseau et on se retrouve là-bas. Hein. Si tu galères à te poser. C'est bon, c'est juste que j'ai dû rappeler. Tu posais. À quel pad? Oh. Lequel? Je sais pas si tu as répondu, Horus, mais j'entends pas. Oui, non, j'ai pas encore répondu parce que je peux pas dézoomer plus. Pas 4. Pas de numéro 4. Il y a un monsieur qui est en train de. Qui est monté dans l'ascenseur avec moi. Enfin, sauf que c'est une madame. Mais je crois que c'est un monsieur. Dans le doute, je vais fermer la porte alors. Je crois qu'elle a une tenue qui est similaire à la mienne. Sauf qu'il a une P4. Enfin, il a pas de P4, non, il a pas l'arme, il a juste des munitions de P4 sur lui. Il peut pas récupérer ses munitions de P4. Probablement voler ce truc. C'est chaud gentil. C'est chaud gentil, d'accord, ok. Je vais déjà commencer à faire la route vers. C'est d'heure. Et j'ai accès avec vous. Bon alors,
On se met à l'intérieur et on s'assied. Voilà. On est bon. Par contre, le problème, c'est que je vois que le trajet va être vachement intéressant. Hein. C'est avec Chaganti, on se regarde dans les yeux et ça va être tout pendant tout le trajet. En chien de faïence. Bon, pas en chien de faïence. Encore qu'il me fait, il prend une pose bizarre quand même, Chaganti là. Ouais, il a l'air de pas trop te faire confiance. Ouais, je vais t'inviter dans le groupe, Chaganti. C'est vrai que c'est une bonne idée. Et on part. Et let's go. Jack. Genre mon sabre, on va récupérer hop, le Mustang parce que c'est quand même le truc le moins long à claim. Est-ce que oui, il doit y avoir de la bouffe dans la Grimex, non? Tu parles de Grimex toi? Oui. Dans... Ouais. Les magasins d'armes et d'armures, t'as des sachets lyophilisés. C'est vrai que ça, j'ai oublié de prendre de la bouffe et de la boisson, moi. Normalement, t'arriveras à court d'oxygène avant... Oui, avant de mourir de faim et de soif. Avant d'avoir faim, mais... Oui, bon, généralement, en 1h20, t'as pas le temps de mourir de faim et de soif. Non. Ça, c'est bien que dans la 3.17, ils fassent conserver ce genre de choses avec la mort ou avec le délog. J'avoue, c'est cool, ça. C'est et c'était son style. Chouette, parce que sinon, t'avais juste pas besoin de bouffer en fait. Ouais, après le problème c'est. Le problème c'est si jamais t'as un bug qui fait que tu peux pas manger ou boire, bah tu l'as dans le cul. En fait. Oui. Mais alors, bon, dans Ultime, si je me mets en vue extérieure, bah j'ai juste ça en vue extérieure, donc bon, c'est pas tip top. Tu me dis quand on est en Quantum, Moros? On est en Quantum là, on est à déjà 16 000 km. Alors je vais changer de position, je vais mettre en copilote pour avoir un visuel plus agréable pour les viewers. Voilà, parce qu'en copilote, au moins je peux faire ça. C'est vrai que le Cutlass Black avec le camo blanc et doré, je le dirai jamais assez, mais ça va super bien. Malgré le blanc et doré, il conserve son côté très rustique. Ouais. Et c'était sur Renekoti. Chaganti qui dit c'est parce que je suis moche, c'est ça? Non, mais on va dire que pour les viewers, c'est quand même plus intéressant de voir un vaisseau filer en quantum à 40% vitesse de lumière que de regarder un mec assis dans un siège. C'est... voilà. Ils ont enfin enlevé le côté... enfin les réacteurs full doré. Dommage, moi j'aimais bien ce côté bling bling qu'il y avait au niveau des réacteurs. Ça, ouais, c'est... non, parce que c'était mon vaisseau que j'utilisais tous les jours, donc... Ouais, comme ça, c'est l'alliance noir, blanc et doré, ça colle super bien, quoi. Le doré, c'est très joli quand c'est accompagné, pas quand c'est la couleur principale. Ouais. Bref, il y a qu'à voir les skins Invictus Week pour l'Avenger. Bleu et doré, bleu roi comme ça et doré, il est magnifique. Ah, chat gentil, c'est mis dans la toile. Oh, vous allez y arriver avant moi, dites donc. Check. L'avant-poste, c'est Arcorp Mining Facility, ça? Arcorp Mining 141. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule façon sur des mains de Arcorp Mining. Oui. Je vais acheter quelques oxypènes de plus. Hop. Moi, j'en ai 4 sur moi, j'en ai 2 en réserve, et j'ai 2 mètres peine en plus. Des fois que ça marche. Le gros défaut du Crossfield, c'est d'une part sa calibration et d'autre part son refroidissement. Ah, il est un petit peu long à se relancer, ouais. Mais après, c'est un moteur de saut qui est très rapide, donc... Par contre, c'est intéressant, j'ai pas le bruit de ton vaisseau. C'est très perturbant. Alors que là, j'ai que la musique. Peut-être que si j'allume mon poste... Ouais, j'allume mon poste, et ça change rien. Moment où on croise les doigts et serre les fesses. Optimiste.
Ah, et quand on me courbe, il y a toujours ce petit... ce petit moment de terreur. C'est nul, je peux même pas troller. Je voulais couper le Quantum Drive. C'est nul. C'est pour ça que c'est actuellement jouer avec un copilote, c'est pas spécialement utile. Ouais, ça a tellement problème de fichier son qui s'est pas lancé. Ouah, un bug dans Star Citizen. Pff, non, ça n'arrive jamais. Ah, bah chat gentil a crashé, j'ai l'impression. Ah. T'es dans la tourelle, non? Bah ouais, sauf que là, je viens d'avoir la notification comme quoi il a quitté la zone. Enfin, qu'il a quitté le vaisseau. Donc je pense qu'il a crash. Ouais, il me confirme qu'il a crash. Avec un peu de chance, il y a recovery. Avec un peu de chance. Bazarker qui dit mauvais karma. Bah, venant de toi, je m'attendais à ce que tu dises pas ça, vu que là il est pas aux mains d'un vaisseau Aegis. Quand même. Juste. Quand même. C'est classe. À des fois être copilote et juste regarder, ça fait du bien. Ouais. C'est un jeu qui, mine de rien, est assez contemplatif et. Ouais, franchement, il est beau. À titre personnel, je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas inversé le siège de pilote et de copilote. Ouais, parce que dans les avions, c'est généralement comme ça. Le siège de pilote, avion, hélicoptère, le siège de pilote est à l'arrière et le siège de copilote est à l'avant. Comme t'es plus haut, t'as une meilleure vue. Ouais. J'avoue, chat gentil, être à 6000 bornes des serveurs européens, c'est un peu compliqué. Pour pouvoir jouer sur les serveurs Europe. Et l'idée en même temps? Je crois qu'il a pas vraiment le choix. La couvrive la toile. Touchdown. Descendre du siège de copilote. Attendre que la rampe s'ouvre entièrement avant de marcher dessus, s'il vous plaît. C'est noté. C'est vrai que c'est du Drake. Si c'est pas ouvert complètement et que tu marches dessus, ça casse. Alors, non, on est à l'étape au-dessus. C'est pas ça casse, c'est le vaisseau qui casse. Ouais, enfin voilà, ça, le vaisseau, pareil. Où sont les points de spawn de véhicules? Je les ai vus en arrivant là-bas. Donc toi, Ross, tu veux la Dragonfly ou pas, hein? J'ai pas suivi. Ou tu nous suis avec le... Je vous suis avec le vaisseau, même si j'aurais bien aimé faire la Dragonfly, mais au pire, ça prend une pointe. J'achèterai la mienne plus tard. Hein, c'est... Bah, je crois qu'elle coûte 300 000 crédits à l'achat en jeu. De mémoire. J'ai l'overquel aussi si vous voulez. Mais je préfère la Dragonfly. Hop, faut que je la claim par contre. J'ai pas d'oxypène mais j'ai une armure médium avec un casque lourd. Bah viens, c'est bon, allez, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, let's go. Juste bouger le. C'est gentil, t'es toujours dans le vaisseau, pas? Chat gentil qui dit bon on va appeler ça une journée et aller dormir, donc je pense que c'est à dire qu'il a recraché. Tu préfères quoi, Horus? Dragonfly ou Overquad? Quad de Nours. Le Quad de Nours. Faut que je le teste. Eh bah vas-y. Je te fais spawner ça maintenant. Par respect par les joueurs qui vont certainement faire poser ici pour X ou Y raison, je vais libérer les pads. Pas parce qu'on pilote André qu'on a pas le droit d'être respectueux. Après t'es un peu loin là quand même. Un petit peu. Ouf, d'accord.
Ça ferait lui s'il a fait un coucou. Il s'est posé juste à côté de moi. T'as pris de la bouffe pour tout le monde ou pas, Saf? Non, j'ai été affreusement égoïste. C'est pas grave. De toute façon, comme, comme tu le disais tout à l'heure, on va mourir de d'asphyxie avant de. Avant de mourir de faim. C'est fou quand en vaisseau t'as l'impression de faire 2 mètres. En fait, c'est. Alors, tu t'es posé à 300 mètres là, hein, déjà. Non, moi, j'ai pour moi, j'ai fait une petite accélération. Trop bien, il y a des. Oh, il y a un couteau. Elle. Et un ravageur. Et un carnat. Putain, il y a. Il y a de la place dans ces boîtes jaunes. Non mais moi je m'en fous, je m'équipe hein les gars. C'est lui sur une carna, je prends. Enfin de ravageur, je prends moi, rien à foutre. Alors je vais m'éloigner un peu des pattes jusqu'à ce qu'il me dit puisse visiter. Il le te lit à toi. Voilà. Ok, bon bah je fais spawner ma dragonfly alors. Cette assomme à Gunsalo. Ok. Comme je pensais qu'il fallait rester appuyé pour rester au bas du sol. Non, c'est. Non, c'est tu choisis ta hauteur et ensuite c'est bon. De conserver. Oh. Ah, j'ai pas sorti. J'ai pas sorti la bonne. Bon, c'est pas grave. J'aurais pas le skin. Qui coule là. T'auras pas une NFT? Ouais, non, malheureusement. Alors un conseil Horos, hein, reste avec la hauteur maximale. Oui, oui franchement. Vous allez voir. Je fais le coup alors, parce que c'est plat, mais ouais, quand on ira en route, oui. Pour vous faire assez simple, l'idée, c'est de trouver le bearing 340 et de suivre ce bearing 340 le plus longtemps possible sur 220 bornes. 340, tu veux dire l'azimut? Oui. L'azimut 340. Bah, c'est pile poil derrière toi, c'est pile poil devant moi. Tout à fait. Et on va se marrer parce que déjà les premiers 40 bornes sont du caillou. Et la suite. Le chemin entre les deux est bon et à la fin c'est une abomination. D'accord. Alors juste parenthèse, je réponds à quelques questions. Flablink qui dit t'as pas pris la rose? Non, puisque la rose n'a pas le phare et si on fait de nuit ça va être l'angoisse. Gonkalovelink qui me dit où est-ce qu'on peut l'acheter le jeu. Tu peux l'acheter directement en faisant point d'exclamation référal dans le chat ou en cliquant sur la vignette qui s'appelle référal en dessous. Allez sur le site donc de CIG, qui est donc le fameux site où tu es, où en cliquant sur référal tu vas arriver. Sachant que ce n'est pas encore un jeu, c'est une alpha. Référal c'est avec deux R. Cher gentil. C'est marqué sous le stream, les gars. Mais c'est une alpha, donc c'est-à-dire qu'il y a encore plein de bugs, des problèmes d'optimisation, etc., etc. Donc Saf, on te suit. Tout le monde est prêt? Toi qui ouvre... Ouais. Super. Et donnez la vitesse maximale. Alors, la vitesse, franchement, mettez-vous à ce que vous pouvez. On va se mettre à 100 mètres par seconde minimum. Ouais, je vais essayer de pas aller trop vite, parce que ça fait plusieurs fois que je fais le trajet, donc je commence à le connaître. Enfin, connaître, relativement parlant, quoi. Et puis on verra bien comment est-ce qu'on s'en sort. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Ouais. Eh ben c'est parti. Let's go. Road trip du désert plutôt cool. Ouais, en espérant qu'on ne meure pas comme des gros caca à cause de Kayas qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus. Genre ces Kayas là, qui sont vraiment l'angoisse en fait. Et assez fun et jouissif de temps à autre, c'est de réussir à passer entre deux pylônes de pierre. Ouais, mais non. Pour éviter de c'est faire... un peu timbré, mais franchement, quand ça passe, c'est chouette. Donc on est à la Zemi 340, let's go. C'est plus galère en soi, ça reste le pas faire bouffer du sable à la moto. Ce que je viens de faire là à l'instant. Ça, elle aime pas. Horos, niveau vitesse, toi t'as combien? J'ai galéré un petit peu à dépasser les 100. T'as levé le limiteur de vitesse? Oui, je suis à fond là. Sérieux?
Tu vas que à 100 mètres par seconde? Non, c'est juste que j'étais beaucoup en l'air. Ouf. Ok, d'accord. Je viens de faire une bêtise, mais c'est pas grave. Alors, on prend le bearing. Alors c'est intéressant, c'est que vu qu'on n'est pas sur le bas de l'hémisphère, c'est inversé. C'est-à-dire que moi, quand je tourne à gauche, l'azimut tourne à droite, et inversement. Ah non, ça c'est juste un compas type aviation. C'est d'accord. Un peu chiant. Ok, c'est, bah je... c'est normal, il fait toujours comme ça. Ok, je ne connaissais point. Oopsies. En effet, c'est bien casse-gueule, mine de rien, hein. Oui. Je vois ça. Plus qu'on ne voudrait croire. Rassure-moi, il y aura un petit peu de plat à côté, un peu plus loin, oui, non? Oui, plus loin, beaucoup plus okay. Loin. Pas trop près, élu. C'est rassurant. Oui. Non, en vrai, il y a... En fait, le plat défile vachement... T'as l'impression qu'il y a beaucoup de zones rocailleuses, ouais. Alors qu'il y a, en fait, beaucoup de plats, mais le plat défile tellement plus vite que... Ouais, avec les zones rocailleuses que... Tu peux pas que, passer, ouais. En fait. Normal. Ah putain, moi ce qui m'inquiète à chaque fois c'est les retombées que... La retombée que tu fais quand tu fais un jump. Il les suffit retombées... que tu... Une fois que tu... Ouais. Il suffit que tu retombes sur une zone qui est légèrement en pente montante et tu te manges un truc dans la gueule quoi. C'est toujours un peu le challenge de se dire est-ce que j'essaye de passer sur la montagne ou est-ce que j'essaye de me prendre la vallée qui est un peu sur le côté et risquer de perdre un peu plus l'azimut. Après l'azimut se récupère. Oui. Non, surtout en fait commencer à dévier. Ouais. C'est ça qui commence à être un petit peu plus délicat. Hop. Après, normalement, la Dragonfly est quand même est censée être plus résistante que la Nox. Eh ben, on verra laquelle explose en premier. Parce que j'ai tellement maltraité la Nox que je sais qu'avant, elle était en carton pâte. Ah, complètement. Mais là, j'ai l'impression qu'ils l'ont blindée. Hein. Oh, ah, ils ont peut-être blindé tous les véhicules Gravelay, hein, au final. Possible, ouais, suite au rework. Aïe, c'est un caillou, ça. Je lui fais bouffer des rochers moi à la Dragonfly, c'était quelque chose de violent. Hein. Et le kitty qui est passé aux toilettes, ça se sent. Ah bon sang, j'aurais pas dû le prendre ce caillou. J'aurais dû rebondir dessus. Oups. Là, 23 km. T'as 23 km de nous? Petlas, non. Ah, ok. Je suis à 1,8 km, mais. Ah, il faut que tu me dises que à 100 mètres seconde, tu fais 6 km en une minute. Hein. Ah, non, ça va vite. Hein. Et encore là, moi, je suis pas à 100 mètres par seconde. Là. Vu la qualité du terrain sur lequel je suis, je te cache pas que je suis un peu plus lent. Même. Encore que là, ça va. Ah, oh, là, ça se dégage, ça là. Un peu, ouais. Hop. C'est là où tu peux commencer à essayer de sauter une dune d'une dune à l'autre. Voilà ce que je fais. Je fais un caillou à l'autre. Ouais, non, faut éviter ça. Je rappelle que le quad de l'ours, pour le coup, il a pas de bouclier, hein, contrairement à la Nox ou à un Dragonfly. J'ai déjà pété une arme. Ah bah bravo. Pourtant, même pas ralenti, pas compris. Non mais sérieux, Il a pas de bouclier mais il tank bien. Ouais, il tank beaucoup mieux que les Dragonfly et Nox, mais pas de bouclier quand même quoi. Oh, je les reconnais, ces stries. C'est à peu près là où je suis
J'ai décédé hier à coup de... À cause de pas d'oxygène. Là, par contre, ça freine pas les Dragonfly. Hein. Faut vraiment utiliser non. Le boost pour pouvoir freiner. Ouais, en fait, tu mets 100% d'énergie dans les moteurs pour pouvoir accélérer correctement en termes de freinage ou pas. Hein. C'est ouais, même pas c'est besoin, assez important. Hein. Surtout quand elle commence à être endommagée, là, t'en as vraiment besoin. Bah là, on est sur un terrain qui est relativement plat. Ouais, là. Enfin, dégagé là, plus que plat, en fait. Il y a des dunes traîtresses, des petits trucs qui sortent tout d'un coup du sable et sur lesquels tes moteurs vont pas forcément réussir à. Bon, là, ça va, à moi compenser. Je suis. Des vagues scélérates. Bon, je suis vitesse max à 166 mètres par seconde. C'est ma vitesse max. Je vais vous laisser me rattraper un peu. Hop. Ouais, t'es à 5 km devant moi. Yes. Moi, je suis presque à 10 km de Derco. Et j'ai déjà perdu un morceau. Ah putain la vache. Ah. Bah, j'ai perdu un canon, donc franchement, j'ai rien à dire. Non, moi ça va, j'ai encore mes deux fusils à pompe. Bulldog. Ah, ça y est, Derco m'a rejoint. Ouais, 1 km 5. Un peu dévié. Je me mets en rasmote. Bah. Là, je suis à 180 mètres par seconde. Attention, on ne m'arrête plus. D'accord. Je suis à distance minimale du sol, là, en termes de hauteur. Mais c'est terrifiant. C'est littéralement terrifiant. C'est tellement kiffant. C'est tellement bien quand t'es... Par contre, tu vas vouloir reprendre un peu d'altitude là, on retombe ouais, sur des zones. Ouais, je vois ça, je remonte. Vaglée et caillouteuse. Attends, on va dire. Attends, Horos. Yes. Ouais, je suis à 9 km. C'était un caillou. J'ai pris un peu d'altitude. Je disais, c'est très étrange parce que voler dans le jeu, c'est quelque chose de très commun, mais là, ça fait pour une fois bizarre de prendre de la hauteur. T'as vu ? Ouais. Mais c'est grisant, mine de rien. La moto jet, je trouve, c'est vraiment hyper agréable. Mais ils ont bien réussi leur rework pour le Gravelave. Hein. On est d'accord. Alors attends, je fais juste un petit point nav. Je regarde là. Tu es mort. Sérieux ? Ouais. Oh merde. J'étais en mode, c'est bon. 61 km. Ah, tiens, la température monte. 65 degrés Celsius, ouais. Bah, essaie de nous rejoindre en cas Horus. Hein. Oui. T'arrives à faire rentrer. Ah non, t'as pas de moto, toi. Mais au pire, je vous rejoins avec Cutlass. Ouais, tu le rejoins en Cutlass. Ça peut le faire. Et avec un peu de chance, je vais essayer de voir pour récupérer mon. Je vais éviter de te tirer dessus quand même. Ouais, s'il te plaît. J'ai des shields, mais bon, quand même. Ouais, tu vas plus vite que moi, c'est pas marrant. Davantage de la Nox. Bon, autrement, Horace, ton retour sur le quad. Lent mais maniable. Par contre, c'est vraiment sur un saut que j'ai repris en pleine montée qui m'a tué. Et avec un caillou. Ouais, en fait, c'est ça le problème du Gravelave actuellement. C'est si jamais tu retombes alors que tu arrives sur une pente qui est en montée. Le Gravelave fait pas la compensation et tu te manges le sol, comme ce que je viens de faire actuellement, à l'instant. Comme moi j'avais déjà bien pris. Et c'est vraiment, c'est un coup de main à prendre en la moto, enfin le Gravelave c'est... En fait, le truc à faire c'est pas hésiter à ralentir quand tu vois que tu vas quand t'es en l'air et que tu vas te manger une montée à la descente. C'est particulier dit comme ça, mais voilà. Comme ça, t'arrives de façon un peu plus smooth. En fait, comme tes propulseurs sont moins occupés à essayer de te pousser en avant, bah ils arrivent mieux à amortir ta chute.
caillou. Pardon. J'ai complètement dévié de la limite là. Moi je te suis depuis tout à l'heure. Si tu nous paumes, hein. C'est pas moi qui vais te rattraper. Il hein. y a pas paumé ici, entre le désert et le désert, tu peux pas être paumé. C'est vrai. On est en train de faire le Dakar, hein. Regarde. Ouais. C'est un peu plus grand le Dakar. Oui, c'est vrai. C'est pas que 220 km. Ouais. N'empêche, franchement, la moto, tu vas voir ça. Je suis pas pour la Dragonfly, mais la Nox, je voudrais un véhicule qui a cette autonomie dans la vraie vie. Hein. Parce que pour avoir fait 220 bornes, plutôt 250, et avoir 95% de mon réservoir encore actif, voilà. Ah, c'est quand même bien. Surtout quand tu vois le prix du carburant en ce moment. Hein. Oui. Puis le prix de l'hydrogène, là, ça va dans Star Citizen, c'est pas non plus une catastrophe. Oui, non, voilà. On est plus sur du 1€ les 200 litres, à peu près. Ouais, enfin, un crédit les 200 litres, plutôt. J'aurais peut-être dû regarder... les performances de mon armure avant de me dire c'est bon, ça passe. Ah, c'est pour ça moi j'ai pris une médium. Hein. Là, c'est à 71 degrés, c'est encore en train de monter, mais je suis pas en hyperthermie. Ouais, bah, je suis à 71 degrés. Là, il commence à me dire ah, attention, l'hyperthermie, ça va commencer. Ouais, mais après, tu vas tenir quoi, 2 heures? Oui, puis au pire, vraiment, je verrai des trucs bizarres. Trucs psychédéliques. Vraiment. En plus, genre quand tu jouxtes avec la température, ça va, c'est pas une catastrophe, ça veut pas vraiment monter ta température corporelle, c'est plutôt lorsque t'as 10 degrés de différence, là par contre ça commence. Ouais, ça commence à faire. Ouais. Oh oh. Berdine. J'avoue, pour le coup, Berserkir, vivement les Rangers. Les Rangers, ça va être pas mal. Bon, on sera quand même beaucoup plus lent que Dragonfly et Nox, mais ce sera excessivement cool aussi. Vraiment envie de savoir comment est-ce que ça va... Comment est-ce qu'ils vont faire avec ça. Moi, la question que je me pose un petit peu, c'est... Ça va être quoi être... Enfin, l'argument d'avoir un véhicule à roue comparé à un over, La signature thermique, potentiellement. Enfin, signature thermique électromagnétique, déjà, primo. Ouais, et... T'as certains terrains qui seront... Enfin, on peut imaginer que si les intempéries sont trop importantes, genre t'as trop de vent sur une zone, le overmode soit complètement injouable. Ah oui, totalement déstabilisé. Bah je te suis, hein. Ouais. Là j'étais un peu trop greedy. Yish, il bouffait du sable. J'ai vu ça. Moi je passe au-dessus, hein, m'en veux pas. Mais tu fais bien. Je fais au mieux avec les rebonds que m'offre le terrain. Ah. Non, non, ça va. Je pensais que j'allais me bouffer la falaise. Yes. Tu vas passer dans cette crevasse là-bas. Tu veux passer dans les canyons, toi? Ouais. En fait, moi je peux pas vraiment. Aïe, c'était un caillou. Je ne peux pas vraiment... J'ai complètement changé de direction. Non, c'est bon. Je peux pas vraiment prendre 100 mètres d'altitude, moi. Mm-hmm. C'est le gros avantage de la Dragonfly, ça, pour le coup. Ouais. Moi, je suis à peu près toujours en... Moi, je vole. Je pense que si je suis à 10 ou 15 mètres, c'est le bout du monde, quoi. Moi, je suis plutôt à 100-150 mètres, tu vois. Ah, effectivement. C'est plutôt pratique. Moi, j'ai pas le choix de devoir dodge. Bah, le truc, c'est là, par exemple, je vais prendre un tremplin. Tremplin naturel, tu vas voir, je vais décoller. Youhou ! Et je colle bien. J'avoue que la Nox... Enfin, la...
Elle est beaucoup plus safe, quoi, la Dragonfly. Ce qui est assez curieux pour un vaisseau Drake. Alors, oui, mais non, parce que ça, dès le début, la Dragonfly avait été qualifiée comme étant une moto gravelève tout-terrain. Là où la Nox, c'est plus une moto GP, tu vois. Oui, c'est une moto de plutôt de course. C'est ça. De vitesse. Donc, vraiment, là, le truc soulève le sable. Tu veux vraiment escalader la montagne? Oui, moi je passe, je passe plutôt sur le côté. Okay. Quoique, c'était pas tout à fait le côté. Je voyais pas. J'ai bien fait de ranger mes armements, moi. Et franchement, c'était le plan cul de passer sur cette montagne, Saf. Sérieusement. C'était pas la bonne idée du tout, moi. Moi, je passe pour je passe sur la crête, hein, rien à foutre. Mais fais, je t'en prie. J'ai l'impression que Saf, il aime le défi. Ouais, là, il y a le défi, la connerie, quoi. C'était pas le bon plan du tout. Mais là, c'est avec le défi de débile. Voilà, c'est bon. Je suis arrivé au sommet. Bravo. Ah, mais Safredi, c'est à 5 km et tu m'as déposé, en fait. Bah, oui. Ouais, d'accord. Reste question. Hop là. Mais bon, tu vas me rattraper, je t'avais confiance. T'es sûr de ton coup? T'es sûr de me faire confiance? Moi? Non. Maybe. Ouais, vraiment, le fait de décélérer quand t'arrives sur une pente montante, ça peut bien amortir le choc. Ah oui, non, c'est le seul pied, truc hein. qui t'assure ta survie. Hein. Okay. Ça, c'est j'aurais un rocher, c'est ça? Non, c'était du sable. Ah. Je te vois au loin, t'es tout petit. Tout petit, BDC. Mes réacteurs ne font pas encore d'étincelles. Tout va bien. Moi non plus. Enfin, j'ai un seul réacteur. C'est du Drake, hein. Deux réacteurs, ça coûtait trop cher. Déjà, il y a des moteurs à blève. Faut pas te plaindre, t'as un véhicule équilibré. Oui, c'est vrai. Après, je suis sûr que ce serait mieux passé avec une Jeep. Il y en a certains qui auront la référence. Oh, c'est une private joke ultime par rapport à SnowRunner. Ah, ça y est, je frôle la température max autorisée par mon armure. Ah, je suis à 81. Pareil, là. 82 degrés. On est vraiment à la limite, mais ça passe. Et ça était sur Seb. Salut Seb. Allô. 83 degrés, 84 degrés pratiquement. Ça chauffe, hein. Du moment qu'on ne dit pas que que t'as de la fièvre, tout va bien. C'est ça, c'est l'essentiel. Compton qui touche les sables des mers, c'est magnifique. Ouais, mais de toute façon, les lunes de Crusader, je trouve qu'elles sont vraiment... Autant j'aime bien l'ambiance qu'il y a au niveau des lunes de Hearthstone, autant celles de Crusader, elles ont quelque chose que tu ne retrouves pas ailleurs. En fait, elles ont un aspect qui est plus terrestre que les autres. Enfin, Céline, pas tant que ça. Hein. Bah, en fait, Céline, c'est la lune. C'est ça, c'est rigoureusement ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle Céline. Proche de Séléné. C'est vrai. Oui, effectivement. C'est le bon clin d'œil. Et merci Drac pour l'abonnement, 36 mois complet, merci beaucoup.
Tac. Alors, je te préviens, Derco, je vais essayer de monter sur la montagne, là, histoire de faire un petit point nav. Bah écoute, comme dans ce cas, je t'attends en dessous de la montagne. Parce que moi, j'ai déjà dépassé à l'instant. Enfin, j'avais trop d'inertie pour pouvoir récupérer ton vecteur. Tac. Alors, petit point nav. Voyons voir. Non, pas cruel, hein. Merci beaucoup. Hop là. J'ai l'impression que Dragonfly est plutôt en bon état, hein, qu'elle a pas pris de bulles, quoi que ce soit. Et on est à 158 km, 160 km donc de Arcorp, 154 de Nuen, et normalement on va être très loin de NT99. Oula, oui, on est au moins à 60 km de la cible de NT, 60 km de la cible de Arcorp, et 1 km de la cible de Nuen. Donc on va altérer légèrement notre course, qui était au cap 3-4-0, et on va la prendre plutôt du côté... 3-10. Du côté nord-ouest. Nord-ouest donc pur, au ok. 2-7... Au 3-10, exactement. Au 3-10. Enfin, 3-15, du coup. Et ouais. Let's go. La température redécroît, nice, ça marche. Ouais, on passe les 80 degrés là. Ah, c'est marrant parce qu'en prenant de l'altitude, la température avait bien chuté. Genre, j'étais à 72 tout à l'heure. Bah, en même temps, c'est normal, ça, c'est la heatmap de Star Citizen qui fait ça. Hein. Et puis, dans la vie réelle de la réalité véritable, ça fait ça aussi. Exactement. Peut-être pas aussi drastiquement, mais ça fait ça aussi. Allez, tu peux le faire. Voilà. C'est vraiment du tout terrain ce truc là. 2 degrés par 1000 pieds. 2 degrés par 1000 pieds. Non mais je passerai jamais ici. Non, faut que je fasse un petit détour parce que là. T'es dans une crevasse ? Ouais, la crevasse est un peu abrupte. Ouais, je suis sorti de la crevasse par le. C'est bon. Par le nord. Eh, c'est pas de tout repos, mine de rien. Non, c'est... C'est une belle balade, mais c'est pas juste de la balade, quoi. Ouais. Cette SFE, c'est cette S-Storker, là. Bon, attention, là, la zone va devenir funky. Ah, je vois ça. Ouf. Bah ouais. Je vais un peu ralentir pour éviter de trop ruiner ma Dragonfly. On est d'accord. Être un petit peu plus tranquille dans la balade. C'est assez en gameplay. Kayas. Après, c'est l'avantage de la Dragonfly, c'est que bah, je peux enjamber tout ça assez aisément. Ouais, moi pas trop. Ah ouais, enfin, je dis ça, mais derrière... Le plus important, c'est pas la... C'est, pas oh. C'est génial, on a une tempête de sable qui commence. Oh, sur Dipar, elles sont pas trop vilaines, ça, je crois. Bon, par contre, je crois que j'ai un petit peu endommagé mon réacteur, j'accélère super lentement. Non, c'est bon. Ouais, on a pas de message Major Torque Imbalance, ce genre de choses. Non, c'est dommage. Un peu curieux, mais bon. En fait, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'imbalance, parce que les moteurs Gravelev sont tellement performants que c'est pas eux qui flinquent, qui perdent. C'est ton moteur principal qui te fait perdre ton accélération. Ouais, mais justement, j'ai bien l'impression que là, j'ai mon moteur principal qui est un petit peu douillé. Mais ça, au fur et à mesure des impacts, il douille. Et à la fin, je t'ai dit, hier, il accélérait, moi, à 1 mètre seconde moins 2. Ouais, d'accord. Donc il prenait 1 mètre par seconde. Toutes les secondes. Seconde. Et du coup, c'était une play pour accélérer. Ça, je veux bien donc, le croire. Donc tu passes ton temps en afterburner. Et j'ai... Non, je vois pas trop dévié de la course. Niche. Eh, t'es pas passé loin celle-là quand même, hein. Ah, oh. Ah, j'ai perdu mon deuxième canon. Bon. Ah, c'est dommage. Que je fasse un petit peu plus attention. Ça veut dire que si je te tire dessus, tu pourras pas riposter. Ah, c'est dommage. Mais je peux pas riposter de base, t'es derrière moi. Oui, c'est vrai, mais bon. Puis surtout, pourquoi est-ce que je te tirerais dessus ?
Bonne question. Est-ce que tu m'aurais tiré dessus, hein? Curieux, par exemple. Hein. Heureusement que j'ai pris un carnat, dis donc. Bah, c'est parce que je te l'ai laissé, le carnat. Oui. Mais du coup, je l'ai pris. Ouais. Et tu as bien fait. C'était sans Gaïa. Tiens, on sait pas qui pourrait nous tirer dessus, hein? Dans ces temps troublés. Moi, j'ai pris une arme qui est plutôt pas mal et qui me fait penser à quelque chose. Mais on va pas l'utiliser maintenant. Il y en a d'aucuns qui pourraient dire que on part avec ses pieds et son couteau. Malheureusement, j'ai pas pris de couteau. Allez, moi je repars, j'ai tout rééquipé. Ok. Ouh. Je vais prendre un peu d'attitude pour vous rejoindre parce que les places piquent du nez. C'est vrai qu'il y a ça. Il pique davantage. Il y a ce problème là du cutlass. Bah, c'est pas patché parce que même dans l'espace il pique du nez. Faut lui dire de pas abuser des somnifères aussi. Ce serait pas un problème de zeroing de ton Otas, ça pour le coup, Ross, le fait qu'il pique du nez dans l'espace, parce que dans l'espace il est pas censé piquer du nez. Hein. Non, c'est un souci du vaisseau, dans le sens où même le sabre que je pilote n'a pas ce souci là et que je ne suis pas le seul à le. D'accord, autant pour moi. J'ai un ami qui a un cutlass et qui a le même souci. C'est très léger dans l'espace, mais. Tu dois faire par exemple des nosserets, tu le ressens. J'ai comme entendu un boom. Oui, j'ai mouru. C'est dommage. Cela dit, je me moque, mais Manox a actuellement une accélération qui est bien pérave, donc. Il y avait un banc de sable qui était un petit peu trop élevé, résultat, et je me suis dit, ça passe au-dessus, bah elle a raclé, elle a fait kaboum. Ah bah c'est fait de même. J'avais fait de même avec le coin de l'ours. Ah, tristesse. Est-ce que je vais réussir à retrouver ton cadavre? Moi, je vois ce qu'il a, donc au pire, je viens le chercher. Je vais venir le chercher avec. Avec mon vaisseau. Je vais venir en Avenger, tant qu'à faire. J'ai l'impression de le voir encore, en fait. Ouais, mais t'inquiète, j'arrive. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Tu as fait rentrer ta Dragonfly dans l'Avenger? Non. Ok. Non, si je récupère mon cadavre avec l'Avenger et puis on finit le trajet, toi en Razmoth et. Enfin, toi en Dragonfly, nous en Razmoth, tu vois. Ou au pire. Au pire. Il n'y a pas de place, j'allais dire. Tu montes sur sa Dragonfly, mais c'est pas une Dragonfly, c'est une Nox. Il est égoïste, lui. Il est égoïste. Mais c'est pas moi qui ai choisi. Bah, j'aurais pu te sortir une Dragonfly aussi. Hein. Sinon, effectivement, tu prends un vaisseau un petit peu plus conséquent et. Et tu viens de drop en Dragonfly à côté de moi. Ah, c'est dommage quand même, c'était une bonne session. Ouais. Après, ce qu'on peut faire, une fois qu'on sera arrivé au niveau de l'épave. C'est que... Pas numéro 1. On retourne sur Hearthstone, je vous partage l'émission à 90 000, voir si ça fonctionne ou pas. Mm-hmm. Alors ultime, en fait, le truc surtout, c'est que là, on a essayé de faire ça vite, mais en théorie, tu vas pas aussi vite en Dragonfly, ni en Nox. Tu fais ça que quand t'es sûr d'avoir un terrain qui est bien plat, etc. Genre hier, quand j'ai fait le tour de leur ville, t'avais des zones qui étaient bien plates, bien désertes, où il y avait pas ne serait-ce qu'un caillou ou un cactus. Je mettais à fond, et puis dès que je voyais que le terrain était un peu plus accidenté, je descendais à 70-80 mètres par seconde. Là, c'était en mode, vas-y, on y va, en mode YOLO, et puis basta, quoi. Après, c'est vrai que c'est moi qui ai dicté la cadence. Peut-être ai-je eu tort. Non, mais là c'était complètement une erreur de ma part. Donc, j'aurais dû arriver dessus un peu moins vite, un peu moins de façon énervée. Et la méconnaissance du Gravelev qui m'a tué. Exactement, on apprend. Et c'est pas. C'est comme pour tout en fait dans Star Citizen, c'est que tu peux pas y arriver en mode. C'est bon, ça a passé, j'ai aucune expérience, mais ça va le faire. Et... Tu apprends.
J'ai fait un gamble un peu vilain. L'avantage, c'est vu que je suis mort à côté de Saphrélis, l'indicateur de mon cadavre est au bon endroit, donc je vais pouvoir le retrouver très facilement. Je suis reparti, hein. Oui, oui, mais il n'empêche que j'ai l'indicateur qui est au bon endroit. Ok. Bon, l'indicateur est chargé, il n'est pas au milieu de... Au milieu de nulle part, ouais. Les arcades qui disent parce qu'il n'y a pas de moto Aegis, derrière quoi est perdu avec une autre marque. C'est pas vrai. Il y a qu'à voir, hein, lorsque je fais du minage par exemple avec le prospecteur et que je ramène ça avec le freelancer, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Pourtant, ça du MISC, c'est pas du Aegis. Après, MISC, c'est une très très bonne marque. Hein. Très spécialisée, mais très bonne. Justement, parce qu'elle est spécialisée. Spécialisée dans tout faire. Alors oui, mais non, c'est spécialisé dans un domaine spécifique à chaque fois, en fait. Il n'y a que le freelancer basique qui, lui, est polyvalent. Mais tu regardes le prospecteur, c'est un vaisseau de minage. Freelancer miss, bah, appui missile. Le dur, c'est l'exploration. Le max, putain, niveau transport, il supplante largement le constellation d'Andromeda. Le Reliant, mais le Reliant, non, ils sont tous un peu spécialisés. Il y a du c'est ça, pour le transport. Le Sen pour tout ce qui est exploration. Le Mako pour tout ce qui est journalisme, le Tana pour tout ce qui est combat. Ouais, même si le corps en fait très très bien le boulot du Tana. Hein. Oui, mais bon. C'est en termes on avait fait avec un pote le event Xenothreat, la bataille finale du Xenothreat en Tana, lui gunner et moi pilote. Ouais. Et bah on s'était bien marré quoi. On n'avait pas de Hurricane à l'époque. On a fait bon, on prend un Reliant, allez. Reliant, il est pas mal. Le seul problème que j'ai avec le Reliant, pour ce qui est du dogfight, c'est son envergure. Oui, non, il est énorme. Il est gigantesque et forcément ça cause préjudice. C'est le même problème que j'ai avec le Cartwheel d'ailleurs au passage. En fait, le Cartwheel est bon dans une seule circonstance, parce qu'il manœuvre mieux que n'importe quel autre chasseur. Ouais. Et ce faisant, en fait, il devient meilleur que les autres chasseurs en dessous d'une certaine portée. Or, pour pouvoir accéder à cette portée, il faut que tu acceptes de te prendre des coups, sauf qu'il ne peut pas prendre des coups. Donc, forcément, ça ne passe pas. Sachant que si jamais un adversaire se rend compte que, effectivement, le... Oh ! Mais t'as failli me faucher, là, dis donc ! Non. Ville gredin. T'as de petits fripons canaillou. J'ai attendu que Saphrélis se prenne une pente et qu'il s'envole pour passer en dessous de lui au cutlass. Évidemment. En dessous, moi, j'ai senti l'aileron passer au-dessus de ma tête. Et des synchros. Moi, t'étais... Ouais. Coucou, toi. Moi j'ai complètement dévié là, dedans. Avec tes bêtises. Excusez-moi, il y a mon chat qui vient d'entrer dans le bureau. Et il est en mode je m'ennuie. Ah. Sa maman elle est pas là. Elle est au boulot. Et il s'ennuie. Viens là. Tu montes sur les genoux. Non, tu veux pas. En mode tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire. Il s'en va. Il y a un chat qui vient de passer juste à la caméra, comme ça, en mode rien à foutre. On faisant coucou. À côté de ça, il y a Yumi depuis le début du stream qui est calé sur le fauteuil à côté de moi et qui fait. Qui ronque. C'est-à-dire qu'elle ne bronche pas du tout. Alors, petit point de nav. Voyons voir où j'en suis. 7 km de la destination sur celui-là. Ultime qui dit la seule chose plus mignonne qu'un chat, c'est deux chats, on est d'accord. C'est encore faut-il qu'ils s'entendent bien, ce qui n'est pas forcément le cas de mes deux chats. Scotch, donc le chat qui vient de rentrer et ressortir, c'est un petit con, il aime bien faire de la connerie. C'est à cause de lui que hier j'ai lancé le stream pratiquement en retard.
moins en retard qu'aujourd'hui, mais là c'était ma faute. Parce qu'aujourd'hui je regardais une vidéo de comment finir Elden Ring avec un personnage niveau 1. D'accord. Que c'était assez marrant. Et que j'avais pas fait gaffe que la vidéo faisait 26 minutes. C'est la faute du chat. Non, hier c'est parce que Scotch il a gerbé juste avant que je commence le stream, j'étais en mode bon bah je vais nettoyer hein. Alors non Youssou, je vais pas finir le jeu avec un personnage niveau 1. Non. Je vais pas m'amuser à refaire une run comme ça. Non, après il y a d'autres streamers qui s'amusent à essayer de finir le... Oh, c'était un banc de sable, enfin c'était une crête rocheuse plutôt. Il y a des gens qui s'amusent à essayer de finir Elden Ring en slip et à la torche. Oui, mais ouais non. Délire. Alors, je vais juste récupérer mon cadavre et puis j'arrive. Hein. Right. Moi, je suis dans un. Dans la zone globalement du javelin, je dois être à 20 bornes. Max. Je reconnais le terrain. Qui est laid. Enfin, laid. Ville plutôt. J'ai quand même. Il y a des cailloux partout. J'ai quand même 150 bornes à faire en atmosphère. En plus, la nuit est tombée là sur votre position, non? Il tombe, c'est un tombe. Joli crépuscule. Ok. Un peu trop nord-est. Voilà. On reprend une route plein nord. Yes. Cailloux. Et d'un coup ça devient bleu, je sais pourquoi. Ça fait kaboum, c'est ça? Ça aura fait kaboum, mais pour l'instant non. Pour l'instant, je vis toujours. Je te vois là à 300 mètres de haut. J'évite de me mettre au-dessus de toi au cas où qu'il y a une bosse d'un coup et que... il décolle quand même beaucoup avec moins une... que... Avec une dox dans la soute. Ouais. Il décolle quand même beaucoup moins que la Dragonfly. C'est vraiment ça le point fort de la Dragonfly, et en même temps son point faible. Parce que à la retomber, t'es jamais sûr de où tu vas retomber. Ouais, j'ai quand même réussi à passer sous lui quand il a fait un jump, donc il... Alors, là, effectivement, on va avoir quelques petits problèmes de luminosité qui vont faire que ça va être un peu plus délicat de trouver ce truc qui s'ensable de plus en plus. Est-ce que t'as des phares sur ta Nox? J'ai des phares, s'ils ont pas été complètement sablés non plus. Trois bornes. Ok, si je regarde mes notes... je suis à... 7 bornes... Non, 9 bornes... de mon objectif d'hardcore. Hop, et... Une borne de Nuen. Et 6 de NT. Donc, en termes de axe, merci pour l'éclairage. Toujours plaisant. De rien. En termes d'axe. Je suis pas jaune avec ce skin. Donc, au final, je meurs pas très très loin de l'arrivée au final. Non, en effet, tout le monde était à 60 bornes, je crois, à peu près. Ouais, c'est vraiment pas loin. Dommage. Oui, c'est faire le show. C'est terrible, c'est affreux. Ils nous jettent tous les deux. Alors, mon cadavre est censé être là. Est-ce qu'il est là? Je vois quelque chose au sol. Oui, mon cadavre est ici, trop bien. Je vois quelque chose qui a de l'écorce. Mmh.
Oh, c'est une montagne. Je vais pas aimer. Non, je sais pas. Okay. Je pensais que la porte était plus abrupte qu'elle ne l'était vraiment. Et donc, c'est mieux passé. Cette façon, Cagno, je passe juste pour savoir si Derko joue à Star Citizen depuis presque une décennie. Non, pas depuis une décennie, non, faut arrêter de déconner non plus. Pas encore, mais dans 2 ans, oui. Bah, alors, ouais, techniquement, le jeu est déjà jouable. Au début, 2014. J'y jouais. Ouais, mais sauf qu'au début, il n'y avait rien à faire, quoi, donc j'y jouais pas. Oui. Je ne faisais que suivre le projet. On faisait un peu d'Arena Commander, ça. Pas grand chose, mais on en a fait. Non, mais mon cadavre plie. Ah! Hein. Wouh! Reloading. Ouais, c'était purement volontaire. Ne glisse pas en bas de la pente, s'il te plaît, bordel! Le cadavre qu'on fait casser sa tête. Non, je vais où je veux. Right! Et donc, un petit peu nord-est maintenant. Je vais déplacer l'Avenger, écoutez. Plutôt. Hein. Sauf que le problème, c'est là, je sens que je vais le paumer mon cadavre si je fais ça. Drag Body. Non. Drag Body, j'ai dit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les pièces d'armure sur moi, ensuite j'ai récupéré le casque et le. Undersuit que j'ai jeté dans le vaisseau. J'aurais dû prendre un multi-tool. Ils ont dit qu'entre point 7, ça serait amélioré comme truc, donc. Vivement, parce que là c'est assez hasardeux. Dans la zone de 10 km², où on essaye de trouver la bête. Là, tu peux y aller, Horos. Hein. Enfin, tu peux y aller, tu peux. Scooter. À mon avis, scooter un peu. Yes. Là, y en est. Genre vraiment pas loin. Non. Putain mais. Ok. Bon. Hop. Tout petit peu au nord-est, normalement. Pas au nord-est, au nord-ouest, plutôt à 340. Alors, le problème de la terre, c'est que si je le mets sur la rampe et que je ferme, il y a des chances que ça pète la rampe de mon vaisseau. Normalement, il devrait être juste devant toi, Ross. On va juste déplacer le vaisseau pour que ce soit plus simple. En effet. Voilà. De loin, avec sa couleur, tu le confonds un petit peu, surtout dans le noir. Oui, avec les cailloux qui sortent brutalement du sol. Ouais, drag body, let's go. Putain, et les ragdolls sont vraiment à chier pour l'instant dans le jeu. Ouh. Ah. C'était un javelin. Non, en fait, je suis mort à 40 km de l'arrivée. Yep. 42 pour être exact. Ouais. La réponse. Est-ce que l'un de vous a un multi-tool J'ai un dispo. Medipen. Non, j'ai du. Non, là en l'occurrence, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est du tractor beam. Non, ça j'ai pas.
Je suis à combien d'oxygène? 40%. Techniquement, si je repars maintenant, je devrais pouvoir arriver. Ou alors tu peux monter dans le vaisseau de Horus. Oui, je sais bien. La soute est ouverte, non? Enfin, la porte latérale est ouverte. Tu peux monter sur le caillou et faire un saut directement dedans. Ok, je vais essayer. La gauche par rapport au vaisseau. Yes. Problème, monter sur le caillou. Et c'est bon. Pas turnover que je vais faire, putain. Oui. C'est parfait, t'as même pas besoin de sauter. C'est vraiment au poil, quoi. Ça va me gonfler, hein. Allez, l'oxygène qui remonte, qui fait plaisir. Bon, on va faire ça. Hop. Comme ça. Tac. Voilà. Très bien. Maintenant. Ah merde. Pareil pour les jambes. Grab. Ouais, je me suis blessé quelque part. Tu peux. Je peux te passer ça. Oui. Et tu m'inspectes. Je me suis blessé quelque part. Je sais pas où. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Parfait, c'est tout bon. Merci beaucoup. Voilà. Et l'undersuit qui va avec aussi, parce que l'undersuit, elle est jolie. Excellent. On va juste grab l'undersuit. Faut reviser au niveau des pieds. Ah oui. Ben oui, mais non. Au niveau des jambes-pieds. Bien vu. Trouver le lieu. Nickel. Dans le chat, il y a un mec qui est tranquillement en train d'attendre à Porolissa avec son Amred. Et comme personne ne répond alors qu'il propose d'obtenir des gunners, personne ne lui répondant, il accuse la population du serveur d'être des joueurs recherchés. Mm-hmm. Parce qu'on ne veut pas venir avec lui. Curieux, n'est-ce pas? Tout à fait. Et l'oxygène est complet. Let's go. Donc, ouais. Bah, j'ai une caisse qui vole toute seule dans ma cabine. Et c'est fâcheux ça. D'autant que tu peux utiliser. Oui, mais c'est pas grave. Ok. Les textures sont un peu vieilles quand même. Oui. Ouais, les textures sont plus que vieilles. Ok, bah écoutez, je suis paré. Donc si vous voulez, on se partage une mission à 90 000, mais il faut aller au niveau de Hearthstone. Donc, Saf. Pourquoi pas. Donc, moi, tu montes dans le juste... vaisseau. Ouais, je vais juste ouvrir la porte arrière, essayer de stocker ma Dragonfly, et j'arrive. Enfin, ma Nox. Écoute, moi je vous rejoins.
Je vous rejoins quand même histoire de jeter un œil à l'épave de javelin de nuit. Même si on l'a fait hier le 2 jours. Pour ne pas avoir décédé pour rien. Oh boy. Galérer pendant 20 minutes pour récupérer son stuff quand même. Hein. C'est relou. Il y aurait de l'oxygène, je serais arrivé à poil, j'aurais directement équipé l'undersuit, mais là ça voulait pas. It did not want. Je spot à 25 bornes quand même avec ton cutlass, Horos. Ah, le cutie est quand même pas le véhicule le plus discret du jeu. Et j'avoue que c'est pas fufu. Hein. Non. Et posé, comment? Et moi que v'là. J'espère que t'auras pas trop de problèmes à avoir des étincelles plein ton cutlass. Ça n'explose pas. Ça devrait pas. Bonjour. Hello. Ah. Moi j'ai un carnat mais y'a pas de base dedans. Ah, c'est dommage. C'est pas cheveux. Je peux m'ouvrir la porte latérale s'il te plaît. Ah oui. C'est pas grave, je. Bah, c'est pour éviter d'avoir le risque de casser la. Moi, c'est. Franchement, elle s'est bien arrangée. Je vais voir s'il y a toujours la caisse à l'arrière. On n'a qu'à dire que c'est le chauffage. Oui, c'est le radiateur. Bon, j'ai une caisse en lévitation dans ma soute, tout va bien. D'autant après, qu'il y a un des deux réacteurs qui est constamment allumé, c'est curieux. Je la vois, moi, la caisse en lévitation, parce qu'au pire, je peux essayer de la débugger. Bah, vas-y, essaye, hein. Vas-y, je t'ouvre l'arrière de mon vaisseau. Je la vois pas en lévitation. Tu la vois pas en lévitation? Tu vois une caisse ou non, pas? Non, par contre, elle est sur la rampe. Elle est sur la rampe, elle est ici. Je peux pas atterrir avec. Ouais, bon bah voilà. Laissez tomber alors. Moi non plus. Hop. Pas grave, c'est juste qu'elle est désynchro. Bon, on redécolle direction. Let's go. Direction Hearthstone. Par contre, c'est intéressant, mon perso est en train de mourir asphyxié. Elle est full éteinte. Quoi ce bordel, mon perso meurt asphyxié alors qu'il a un casque sur la tête. C'est pas moi. Si tu veux, j'ai un mètre peine. Non, mais j'en ai aussi. Mais enfin, faudrait m'expliquer parce que je suis en train de mourir asphyxié en fait. Un mètre gun. Je vais essayer de voir si je peux pas te. S'arrêter. Je veux bien que tu me soignes à la limite, ouais. Alors monsieur, comme ça on me fait des bêtises. Oh bah c'est pas de ma faute. J'ai retiré le casque et je l'ai remis. Merci. Mais de rien. J'aurais bien voulu un titre particulier dans Planet Side 2. Le titre Nurse ou Infirmier ou Infirmière. Parce que pour le coup, dernièrement, je fais que ça. Malheureusement, j'ai plus le temps pour Planet Side 2. Tu m'y suis remis. Ça fait des années que j'ai pas rejoué, moi. C'est dans un état assez catastrophique, je vais pas mentir. Ah bon? Ils ont introduit un nouveau continent sur lequel t'as des bases où la seule entrée vers le point. Enfin, il y a une seule entrée vers un point. Ok, donc résultat, les mecs font un petit 300 en mode ils tiennent et puis les gens se suicident. C'est ça? Alors c'est ça, mais c'est aussi ça dans le. Alors non, c'est pas ça, pardon. Tu mets ça entre le spawn et le point. Donc les défenseurs en fait sont en mode on peut pas sortir du spawn parce que en fait on se fait camper. Et c'est pas genre il y a trois portes dans le spawn et tu peux encercler les machins. Non, t'as une grande porte, c'est tout. Ah oui, d'accord. Ça sert à rien, complètement con. Ça rappelle la bonne époque des biolabs. Hein, ouais, tout mais le monde adorait les biolabs. Ouais. Franchement, tu prends un biolab, tu fais pire, et globalement, t'as ça. Vraiment. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle,
Planet Side 2, c'est un FPS, un MMO FPS avec trois factions. Et tu peux voir des batailles à presque 500 personnes qui s'affrontaient au même endroit, à peu de choses près. Parce que ça comptait que jusqu'à 72 plus, hein, donc voilà. Et t'avais du tri-faction des fois. Et il faut imaginer donc les biolabs, ce sont des sortes de bases qui sont sous un dôme avec de la forêt à l'intérieur. Donc on parle quand même d'une base qui fait un truc genre 1 km de diamètre, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu moins. Et avec juste 3 entrées. Et pour rentrer dans ces biolabs, le seul moyen c'était de passer par des plateformes, parce que le biolab n'est pas au niveau du sol, il est sur d'immenses pattes à 1 km au-dessus du sol. Et en fait, il fallait passer par les ascenseurs, sauf que c'est pas des ascenseurs en mode t'appuies sur un bouton, l'ascenseur arrive, tu montes dans l'ascenseur, tu montes, les portes d'ascenseur s'ouvrent et tu sors. Non, c'est un ascenseur, c'est une plateforme au sol qui fait un rayon qui te fait monter. Et en fait, tu peux être à 15 d'affilée dans cet ascenseur. Et donc, t'as les mecs qui sont en haut et qui tirent. Voilà, c'est ça les biolabs. Et en fait, les biolabs, c'était tellement le merdier en Planet Side 2 que t'arrivais sur place, tu prenais une batteuse, n'importe quelle arme qui avait énormément de balles à l'intérieur, t'avais des smokes de partout, tu tirais non-stop, et si tu touchais quelque chose ou que tu tuais quelqu'un, c'était banco. Mais tu savais pas sur quoi tu tapais. Et t'avais les points de spawn qui étaient protégés donc par les boucliers de spawn, mais grosso modo, tu campais les spawns, en résultat, les mecs pouvaient pas sortir. C'était trop bien. C'était trop trop bien. Excusez-moi, j'ai oublié le... C'était trop trop bien. Ah. Et toi ça va, t'as pas subi l'arbalète? Si. Ah, la nouvelle. Ah non, pour le coup. En fait, t'as un fusil principal arbalète. Ouais, c'est littéralement une DMR, sauf qu'elle est meilleure qu'une DMR. C'est littéralement, pourquoi prendre une DMR alors que t'as l'arbalète? Ouais, je me rappelle par contre quand ils avaient intégré le fusil antimatériel pour les ingés. Ça, c'était tellement marrant. Avec les gars de la Forlet, on s'est dit vas-y, on va le tester. Il venait d'être intégré, on va le tester. On est allé à 15 avec fusil antimatériel, t'as un char qui arrive, tout le monde tire dessus. Alors, le fusil antimatériel sur un char, ça fait quoi? Ça fait 5 points de dégâts. Sauf que quand t'as 15 connards qui tirent dessus. Tant qu'implose. C'est très marrant. Et surtout, vu que c'est un sniper, tu peux tirer à 200 mètres sans être repéré, quoi. Bah bref, c'est le bon plan. Bah je critique très souvent l'équilibrage et les ajouts faits par Wargaming sur World Warships. Mais honnêtement, Planet Side, il y avait du level aussi hein, par rapport à ça. Oh oui, je pense bien. Ouais. Comme je l'ai dit, créer une arbalète qui n'a pas de chargeur, donc tu peux spammer les tirs, qui a des munitions au choix explosives ou fragmentées. Tu peux avoir un sniper qui a des balles explosives qui tue en deux tirs indirects à l'époque quand c'était sorti. Tu veux dire comme sorti. N'importe quelle arme de chez les Vanons Oui, sauf que là c'est tout le monde qui l'a. Et c'est accessible aussi aux scouts, mais surtout aux assauts légers. Donc, tu te retrouves avec des mecs à 300 mètres du sol. On est posé, tu peux poser ta Dragonfly et. Enfin, ta Dragonfly, ta. Ma Nox. Bon, à la limite, la Nox, je te la laisse, hein. Non, ça va me faire merder, c'est pour je vais me poser. Ok. Moi je suis déjà en train d'arriver au niveau de Hearthstone, hein. Il me reste 8 millions de kilomètres à faire. Ça roule. Mais de toute façon, par rapport à ça, Horos, l'équilibrage, c'est... Enfin voilà. Je vous fais un petit topo sur les trois factions qui sont présentes dans le jeu. Donc il y a la République Terran, donc les rouges, qui ont des armes avec une grosse cadence de tir, des blindés qui sont très blindés, Et qui font relativement mal, mais ça va. Et les blindés, c'est des chars lourds qui sont assez pataux, etc. Et qui ont comme capacité de s'immobiliser pour avoir une meilleure cadence de tir. Mais c'est pas phénoménal, quoi. Vous avez ensuite les bleus et jaunes, c'est quoi déjà? Le conglomérat, nouveau conglomérat. Qui eux ont des armes qui ont une cadence de tir qui est assez lente, mais du gros dégât à l'impact, qui sont relativement stables et relativement précises, mais sans plus quoi. Voilà. Et qui ont un char lourd qui est un peu plus mobile que les Terran. Donc,
Ces deux-là sont relativement équilibrés, hein. C'est soit cadence de tir, soit dégâts d'impact. Et puis vous avez les Vanus. Autrement appelés les Tarlouses. Qui sont avec, en collant violet. Eux, ils ont des armes futuristes qui ont des énormes chargeurs, une putain d'énorme cadence de tir, une précision hors pair, pas de bullet drop, une AOE lorsque le tir passe à côté de toi, donc une zone d'effet lorsque le tir passe à côté de toi. Ils ont un char lourd qui est capable de monter une pente à 85 degrés. Capable de monter sur un biolab. Hein. Ouais, voilà. Ils peuvent monter sur un biolab. Le fameux truc qui est à 1 km du sol, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et ils ont un XAM qui est ultra mobile et ultra violent en termes de puissance de feu. XAM, ce sont des exo-armures qui portent des armes lourdes. Voilà. Moi, je reviens. Ça marche. Attends. Donc, c'est totalement équilibré. Et on se demande vraiment quelle faction il faut prendre pour être avantagé. Là, j'avoue que avec tout ça, j'ai vraiment du mal à choisir. Alors, j'ai pas encore la mission pour l'instant, donc je vais attendre que ça se refresh. Je suis au niveau de Hearthstone, hein, les gars. Check Aura s'il revient, mais... Je vais sauter sur PO, récupérer un Gladius ou similaire. Là, de toute façon, ça va être au sol, donc... n'importe quel vaisseau. Bah, je vais m'équiper avec du matériel. Ça va être une mission de bunker. Bunker. Moi j'ai pris le matos que j'avais tout à l'heure, donc à savoir l'armure médium et le fusil à pompe que j'ai trouvé sur place. Alright. Je vais garder le Carnas, c'est un bon fusil, mais... Et de fois des munitions. Je vais garder aussi le medgun, comme ça je vous sers de médic. Ouais, j'avoue que ça pourrait être pas mal. Faites juste attention à pas vous prendre des balles dans la tête. Ça devrait le faire. Moi j'ai juste un fusil à pompe double canon. C'est-à-dire je vais devoir foncer dans le tas, mettre le canon dans la bouche et tirer en espérant ne pas toucher d'alliés. Whoops. Ah, évictez les occupants, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. On a quand même trois joueurs pirates, hein. Zosma, Jack Falker et Shinoki, présents sur le serveur. Quand même. Qui ont une prime sur la tête. Il y en a un qui a 25 000, les deux autres sont 45 000. Putain, ils sont vénères quand même, les gars. On peut sinon chasser le joueur. Hein. Ouais, mais non. Je vais juste refaire le plan parce que je viens de tiquer que j'ai presque plus de Quantum. En même temps, j'ai fait l'aller-retour Lorville, enfin Hearthstone Crusader, donc... Ouais, l'Avenger commence à avoir un petit peu soif. Gunsel qui dit, j'ai vu un truc ce matin, mon cher Darko, sur les items, je te laisserai la surprise pour Entreprendre 17. D'accord. C'est quoi, il y aura un reset du... de l'inventaire, le fameux. Tout le monde dit que ça, il y a des chances que ça arrive et qu'on n'a aucune information comme quoi ça arriverait, et que si ça arriverait, ça me dérangerait pas plus que ça. N'hésite pas à partager par rapport à ça, Gunsel. Hein. Si c'est ça. Et si elle a dit annoncer qu'il y aura un reset. Voilà Vin Mori qui l'a horrifié de ce fake. Non pas le reset, ça on sait toujours pas, ok. En même temps voilà. Mais en même temps c'est... Enfin c'est une alpha quoi, donc on sait que... Dans tous les cas l'économie si elle est dit pour l'instant semble à l'arrêt parce qu'ils veulent pas qu'on teste l'économie, ils veulent qu'on teste les features. C'est deux choses différentes.
Savards sont pas en forme. Seul qui dit c'est super cool ce qu'ils vont faire, la mécanique de loot va prendre tout son sens. Ok. Et c'est Julie que tu as chopé ou c'est une info que c'est déjà donné officiellement? Si c'est Julie qui, bon, voilà. Par contre, c'est une information officielle de CIG, ouais. Par rapport à le communiqué. Hein. Oh, attends, là, je vais regarder si. Non, choper une. C'est sur le patch note. Ah bah, dans ce cas, partage. PPT. Hop. On va décoller. Bah, patch note évocative, donc je partagerai pas. D'accord. Ok. Donc c'est du leak. Eh bon, si tu mets ça sur Discord, bon, voilà. Je veux dire en message privé, hein. Je ne dirai pas non, on va dire. Je ne partagerai pas ça en public, mais je suis curieux. Bon. Le jeu, donne-moi une mission de mercenariat, s'il te plaît. Putain, il veut pas me donner la bonne mission de mercenariat. Hein. J'ai que la mission de base, mercenariat. Chier. En plus, c'est celle de Barnabas. Chier. C'est relou. Est-ce qu'il y a pas une autre mission qu'on peut se faire en attendant? Ah si, ça y est, j'ai mis 75 000. Je prends, sur Tompkins. Ah mon chat, là, depuis tout à l'heure tu rentres et tu sors du bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un câlin? Je vous partage la mission. Oh, c'est toujours pas revenu, j'ai l'impression. Tu viens? Estune? Alright, c'est pris. Je vais essayer de vous rejoindre. Sous le TM. Petit chat, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'es pas content. D'accord. Bureau, alors, c'est bon. Je me jure. Moi je vais déjà arriver sur zone en cas. Et c'est le jour. Le miaou qui veut dire laisse-moi tranquille. C'est ça, en fait Scotch il aime pas quand on le prend dans les bras. Il aime bien s'installer dans les bras, mais il aime pas quand on le prend dans les bras. C'est très chiant. Je disais tout à l'heure que c'est un petit con, bah on est en plein dedans là. Alors là, il est bien calé sous le bureau. Il prend des caresses, il gratouille, il me regarde.
Yume a un petit peu entrouvert les yeux en mode c'était quoi ce miaou. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Vivement le nuage volumétrique. Hein. Power Stone. T'as fini la mission avant qu'on y soit arrivé. Je vais pas la commencer. Je vous attends. Hein. Je regarde ça quand je me suis posé ma gun salo. Promis. Heureux. Je vais repartager la mission pour que tu puisses l'accepter, Horos. D'accord. Je m'armerai sur eux. C'est partagé. C'est sur Tompkins qu'on doit aller. On va voir si l'étoile vous tire dessus et si les gardes vous tirent dessus également. D'accord. C'est le test qu'on voulait faire la dernière fois. Penser de cobaye pour canner, cool. Bah techniquement non, parce qu'il y a des viewers qui me disaient mais non, maintenant on peut partager cette mission, donc on est là pour vérifier les infos de chat, écoutez. Info de chat. Bah écoute, Ross, tu passes devant, j'ai le med gun. Kenyu qui dit j'ai commencé le jeu vendredi passé et j'attends fermement à 3.17, c'est un problème docteur? Non, pas du tout. Je te rassure. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est sale. C'est très très sale. Une partie de moi veut savoir, mais l'autre partie veut pas savoir. C'est vraiment chiant, en soi. Il y a les Terolf. Il y a Sajouk. Mais non, Sajouk, t'étais déjà là. Excuse-moi. 3.17, ça va être... Ouais, comme quoi, au final, j'ai bien fait de passer sur le A03. Développe. Je crois que c'est un leak. Oui, je dis rien. Mais enfin, c'est un leak oui et non. CIG a expliqué que certains équipements ne seraient plus achetables en jeu et seront uniquement du loot. Le scalpel. Entre autres. Ah. En fait, sur le patch notes, visiblement, on a les équipements qui sont achetables et l'endroit où on peut les acheter. Et donc ceux qui ne sont pas marqués, c'est ceux qu'on ne pourra plus acheter. T'as 2 km de toi et je ne suis pas radarlock, donc c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt bon signe en effet. Les tourelles commencent à radar à 1800 je crois. Kilomètres environ. Ouais, sauf que là il y a 900 bornes, enfin 900 mètres, donc ça va. Ok, oui là ça devrait être bon. En touriste parce que je m'étais désarmé pour le truc de démarre. Attends, t'es à Walpé là? Alors non, je suis en armure. Ok. Mais à part ça, t'as pas d'arme quoi. Non, j'avais peur de les perdre et d'un côté j'ai bien fait. Par contre, ça ferait 10, il est loin. Bon, on va commencer la mission sans lui au pire. Comme ça, tu peux t'équiper. Faites. Pas pressé. Bah, ça va être marrant parce que je suis avec le fusil à pompe. Donc tu comptais sur moi pour faire les premiers kills et... Ah bravo. Et t'as pris le défiance comme casque, avec l'armure complète. Ah je suis en armure... Une armure dégueulasse. Ça se mélange bien. Franchement, s'il y a un garde de Hearthstone qui meurt, prum sur l'armure. Moi je récupérerai les armes, je prendrai ça aussi. Vas-y.
Ah, j'ai eu peur. De quoi? Que ça soit dédoublé? Ouais. Et non. Alors justement, je trouve que ça ferait pas forcément sens qu'il y ait un reset pour cette occasion-là, Megan Cello. Ça permettrait de voir les items que tu peux vendre qui sont achetables et ceux qui ne sont pas achetables. Comme sur les caisses. Là, je t'ai laissé un Arclight si tu veux. Surtout parce que ça leur sert à rien en fait de vouloir générer de la rareté sur des armes. De toute façon, c'est des trucs que tu peux looter et aussi c'est des... Ah, ouais, c'est un LH96. Ouais, LH96, je te dis, c'est un LH96. Estime-toi heureux, j'aurais pu le prendre. Je ouais, plaisante. Je vais devoir arriver devant eux et faire pan. Y a un BR2 si tu veux ici. Et les munitions qui vont avec. Y a un chargeur de BR2. Ça va juste là. C'est toujours mieux que rien. Fais gaffe, t'as plus que 10 secondes pour pouvoir le récupérer. Et un couteau. Ouais, le couteau, j'ai pas pris. J'ai pris au cas où. Parce que je crois que j'en ai un sur moi du couteau. Allô ? Première vague. On évite de se tirer dessus quand même. Hein. Ça pourrait être bien. Je crois que ça a spawné en bas. Pas sûr. Non, ça a spawné ici, juste que je l'ai calmé. D'accord. Tu te rappelles que le BR2 ne one-shot pas malgré le recul que ça donne. Je peux en profiter pour achever un mec. C'est pour ça que c'est plus intéressant le twin shotgun. Là je viens de one-shot un mec. Avec deux cartouches mais je viens de one-shot quand même. Oui si tu one-shot, si tu... T'as besoin de deux balles mais pas tirer deux fois quoi. C'est ça. Ça d'ailleurs lundi, leg. Je tire dessus, je te vois voler et moi je suis en mode ouais, je te one shot et. Eh ben non. Le problème c'est que là il y a un garde qui est à côté d'un pirate et je peux pas tirer parce que sinon je vais toucher aussi le. Ah bah je crois qu'il s'est fait flinguer. Oui, il s'est fait flinguer, c'est bon. Ça c'est bon. Par contre, j'entends des tirs à la surface. Ah, Safredis. Je crois pas que ce soit Safredis qui se fasse tirer dessus. Je me demande s'il n'y a pas des pirates qui ont spawné. Des PNJ pirates qui ont spawné. En tout cas, mon Avenger est toujours là. Mon côté là, c'est toujours là. Si jamais c'était en effet la tourelle, bah elle serait déjà partie. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des PNJ pirates qui ont spawné. Safredis, t'es avec quoi comme vaisseau? Je sais pas si je vais pouvoir absolument faire le ménage, par contre je peux vous transporter. Oui, c'était surtout ça la question. Oui, je m'en doutais. Contact, Vanguard Sentinel. Non, c'est Jack Flocker. Ah, c'est un joueur. Lui, par contre, ouais, par contre, je suis désolé, mais je vais pas l'engager, lui. Parce ah, que son Sentinel en 400i, je vais pas me le faire. Non, oui. Oh, quoique, attends, est-ce que... Je suis en train de me demander. Ah, mais attends, mais Horus est down. Bouge pas, Horus. Ah, shite, il m'a vu. Alors... Merci. Le problème c'est que là... Alors attends, parce que le Jack en question, il y a une prime sur sa tête, donc je vais la récupérer et je vous la partager. Ouais, mais avec un 400i, je pourrais pas me la farcir. Non, mais comme ça, on pourra voir où est-ce qu'il est. Ok, donc il m'a lock et délock. Je vais pas sauter encore. Et je le vois pas, le mec. Attends, je vais le un track et... Mètres... Non. Ah oui, je le vois maintenant. J'ai mon beauty qui est chargé, mais...
Il veut pas venir me chercher, ce qui est curieux. Dérange qu'il soit là où tu es. Pas forcément, il peut avoir une mission de ce côté-là. Hein. J'ai failli te coller une balle à cause de la forme de ton casque. Ah bah désolé, hein. Ah non, mais... C'est vrai que je suis pas si gâchette facile que ça, mais... Il y a le truc pour enlever le Kramstadt, là. Non, le gars vient pour ça. Non, pas sur Tompkins. Il va certainement venir pour une mission. Ouais. Après, oh ouais, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il pète de nos vaisseaux, donc... Ah non, c'est sa tourelle qui me vise. Attends, je vais le scanner. Ce sera plus simple. Par contre, vu que j'ai le follow-up sur sa mission à lui, résultat, je vois pas dans combien de temps les pirates spawnent. 25 secondes. Ok. Ah mon chat. Ici. 5 secondes. Ok. Ouais, mine de rien, pour l'instant, le fusil à pompe fonctionne bien. Mm-hmm. Oh, les signes de vie à l'intérieur, c'est marrant, vrai. Ah putain. Raven One, Jack Falker. Dans les autres crimes, dans les autres missions de chasse à la prime, est-ce que tu as Raven One ? Je peux pas regarder de suite parce que ben là les PNJ ont spawné. Donc okay. D'abord je gère les PNJ, après je te dis. Je t'en prie. Combat de PNJ, c'est vraiment quelque chose à regarder. Hein. Ouais. C'est important de rester avec les... en mouvement. Non, parce que j'ai l'impression qu'il regarde l'entrée du bunker. Comme si il voulait vous éclater. Oh, certainement. En même temps, il y a deux vaisseaux. Ah, on a validé la mission. On a validé la mission. Enfin, on est là. Il voit nos vaisseaux. Donc, à partir de là, il se dit ouais, il y a des mecs à l'intérieur. Ouais. J'ai passé 3 millions. Donc, tu me disais, c'est qui le deuxième nom ? Riven One. Non, je l'ai pas. Ok. On va essayer de faire une passe au missile pour voir si je peux l'emmerder. Aura, sort d'école ? Si vous avez des vaisseaux, hein. Ah, toi, t'as pris un casque, d'accord, ok. Ah non, je voulais prendre la P4 qu'il y avait dans sa main et. Et t'as pris son casque. À côté du casque. Faites gaffe en sortant de l'avant-poste quand même, il a l'air d'être bien fixé sur la. Pour ça qu'on va faire attention, ouais. Et essaie de l'emmerder. Normalement, le 400 est largement capable de tanker un minimum le temps qu'on décolle. Ouais. Je vais essayer de passer, mais... Ok, mes shields sont passés à l'arrière. On va voir ce qu'on peut faire. T'as viré le viseur de la P4 ? Ouais, la x4, je suis pas fan. Ah, pourtant, c'est pratique. Hein. Boîte la filet si on survit. Y'a un Gladius aussi, sur place. Ça, par contre, c'est... Ouais, ça m'emmerdera un peu plus. Ouais, il m'engage. Alors, je tiens à préciser que quand on sortait de l'épave, j'avais vu les réacteurs d'un Gladius. D'accord, donc ça tire à la distorsion sur le vaisseau. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le chat ? Non, ils disent rien. Ok, parce que on aurait pu penser à une prise d'otage, mais non. Essaye de voir si jamais tu peux décoller et te barrer. Ouais, je vais essayer de faire. Après, il y a l'UM qui est chargé là. Ouais, non, à mon avis, vous décollerez pas. Hein. Je tiens à dire que. Bah, c'est assez rapide avec le Stalker. Ouais, mais le.
le... Bah, de toute façon, au pire, si je meurs, c'est pas dramatique, hein, tu sais. J'ai que dalle que j'ai récupéré qui est... Ils sont malins, ils ont une couverture, enfin, je pense que c'est les... Ouais, non, je peux pas décoller. Les trois gredins. Ils me spamment à... Avec le... Tout ce qui est IEM. Gladius est de retour. Tchac, on a fait une petite joute, et je vais repartir. Parce que ça sert à rien pour moi de rester. Essaye là. De foncer directement sur le Vanguard pour le forcer à nous lâcher. Parce que là, il nous, en fait, il nous bloque juste au sol. Ouais, mais le problème, c'est que le, c'est le Gladius. Et Gladius, si il passera pas tes shields. Ah, il serait capable, hein. Avec le temps, franchement, ça passe. Hein. Ça se passe. Non, par contre, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir faire une. Ah, je tombe! Ah putain, il va me casser les couilles. Non, ça, faut vraiment, vraiment que tu viennes, là. C'est... Non, mais sans déconner. Sérieusement. Vous aurez pu depuis tout à l'heure, mais il vient bien, non ? C'est pour ça, Saf. Là, faut vraiment que tu viennes et que tu t'occupes du Vanguard de le faire sortir. Darkoma, ici, Disorder, à combien tu estimes ta vie ? Je vis sur le chat. Ah oui, tiens. Assez. Curieux. Trop cher pour toi. Ouais, mais c'est pas cool d'utiliser un stream pour connaître la position d'un mec. Grave. Y'a à dire, hein. Y'a rien qui prouve que c'est bel et bien du stream hack, pour le coup. Stream hack, hein. C'est juste. Des Français qui te tombent directement sur toi, sur le bon avant-poste. Bah, rien ne prouve que c'est du stream hack. Ils ont pu arriver sur l'avant-poste parce qu'ils voulaient faire quelque chose. Et résultat, ils ont vu que c'était mon vaisseau. Je vais venir les emmerder. Moi, je sais pas, je trouve que c'est trop. Hein, j'ai trouver rien. Trouver un Gladius à côté. Enfin, pour voir les réacteurs d'un Gladius à côté de l'épave du Javelin. Et me dire que là, il y a Saint-Frédis qui se fait engager par un Gladius. Il y a trop de coïncidences qui fait que. Ouais, mais c'est des coïncidences, c'est pas forcément des preuves, c'est le problème. Oui. Donc, par contre, Saf, besoin de toi, là, vite. Yes. Ouais, j'arrive. Ok. Je prends un peu de temps. Normalement, ils sont un peu plus intéressés par moi. Ah non, ils sont restés sur vous. Hop là. Ah, c'est vraiment petit, hein. Ah. Normalement, tu peux décoller, Lauros. Techniquement. Ils sont sur moi. Ouh. Ouais, pas assez résistant, l'Avenger. Dommage. Éclaté. Ah, c'est Resident Avenger. Ouais, c'est pas grave, de toute façon j'avais rien sur moi. C'est du loot que j'avais récupéré sur place, donc bon. Mais sauf quand je dis j'ai besoin d'aide, que le 400 il peut résister largement à un Gladius, putain, fonce dessus quoi, je sais pas. Ouais, non mais enfin, en fait le Gladius c'était moins le problème, j'avais pas trop de. En fait, je voulais faire un passage en Razmot. Parce que le problème c'est que de venir depuis l'orbite taper comme une brute. Ça marchait pas bien. Donc il fallait que je reprenne. En fait, il fallait que je me replace. Et ça a pris trop de temps. T'essayes de redécoller, Horos ? Pas assez réactif, Saf. Pas assez réactif. Ouais, je sais. Bah écoute, je suis pas habitué à faire du multicrew, moi. Bah là, c'est pas du multicrew. Je te demande juste de foncer sur le Vanguard. Oui, mais je vais pas mettre ma vie en péril pour la tienne. Bah, sauf c'est qu'entre entre un 408 et un Vanguard, le Vanguard, tu le coupes en deux. Non. Si. Non, le 408, c'est un vaisseau de couard. Non, le 408, c'est un vaisseau qui est ultra résistant. Faut arrêter. Ah oui, il est très très résistant, mais c'est un vaisseau de couard.
Je reviens sur zone, je vais essayer de te filer un coup de main, Ross. Gladius Valiant. Ça va, j'ai un petit scotch. Bon, je vais peut-être filer un peu de temps du coup, Ross. Donc 400 hits tire 4 missiles par 4 missiles, le Vanguard aurait bougé, impossible qu'il reste immobile, ça aurait pu faire une fenêtre de tir pour fuir, exactement. C'est ce que j'ai fait avec les missiles. Hein. Mon passage en Razmat, c'est exactement ce que j'ai fait. Le problème, c'est que le missile, les flares suffisent à semer tout ça. Il commence à m'emmerder ce petit Gladius, dis donc. Attends, bah j'arrive. Tiens, ils ont un autre contact. Ah, j'ai vu qu'il y avait 3 contacts, 3 ou 4 contacts. Ouais. Le dernier, c'est un éclipse. D'accord. Parce que les mecs ont besoin d'un éclipse pour venir éclater une, un 400i. Bah écoutez, bravo. Bah oui, bah, en soi, c'est le rôle de l'éclipse. En soi, moi, ça me choque pas, tu vois. Ouais. Bah si. Le 400i, alors, c'est quand même un vaisseau qui est assez mastoc. Hein. Les Tie 9 sont... Il est bien tanky. Mais en vrai, tu vas... T'as pas besoin d'un éclipse. Hein. Un Gladius qui engage de manière constante un 400i, ça suffit largement. Ouais. Le Gladius a largement l'avantage, et même si le pilote de... Et du coup, je vais trash sol galgrement. Si on, le va pilote on va essayer de sauver Horos. On va essayer de sauver Horos. Du Vanguard était un tout petit peu pertinent. Il serait pas... il pouvait outmaneuver, mais genre... Facilement. C'est pas un vaisseau rapide, le 400. Enfin, il est rapide, mais il n'est pas maniable. Mais pour sauver Horos... juste ouais. 30 secondes. Horos, t'en es où? T'es toujours sous le feu des distorsions? Horos? Horos, j'avais... Horos, il prend une pause. Oui. Il a raison. Non, je m'étais mute, parce qu'il y a ma mère qui faisait du bruit. Ils ont détruit mon cutlass. Ah, d'accord. Ça va être compliqué de venir te chercher. Oui, voilà, bah moi je vais juste leur tirer dessus, hein, s'ils sont pas contents. Non, mais on va... On va le tenter, ça peut être marrant. Ok, mais je change de vaisseau, parce que le 400i c'est pas un vaisseau dans lequel j'engage direct, je suis en position d'engagement parce que je savais que t'étais sur zone, si tu me dis que tu te barres maintenant, c'est pas le moment. Mais je me barre maintenant, mais justement, enfin c'est... Oh là là... Engage pas tout de suite. Pas trop tard, je suis déjà en distance d'engagement en fait. Ah, il en a bouffé. Oui, ce serait pas mal que t'arrêtes de balancer les missiles à tout bout de champ, toi, dis donc. Ah! Il a pris cher le Vanguard, ouais. T'as joué traîner le missile. Ils sont forts, ils sont surtout à deux, alors que nous on pourrait être à trois, sauf que bah non, j'étais tout seul. Parce que Horos était sans vaisseau et que Safrenis a préféré se barrer. C'est pas un vaisseau de fight. Mais tu t'en fous, étant donné que là c'est moi qui prenais le focus, ou alors que toi tu prennes le focus, on aurait été en situation d'égalité en fait. Ça tu comprends non. pas ça. Mais non. Et mais si, en fait, t'aurais fait un tank. Si non, parce que s'ils avaient été un tout petit peu malins, ils auraient pas essayé de m'attirer dessus. Bah dans ce cas, tu aurais pu leur tirer dessus. Non. Pas avec... Enfin c'est... Non mais la maniabilité du 400i... ne lui permet pas de tirer sur des gens. Mais si tu veux, on les réengage, y a pas de souci. Je vais juste chercher un vaisseau fait pour. Non, moi ce que je vais faire, c'est prendre un vaisseau qui peut transporter une personne, je vais me barrer de l'avant-poste. Ils m'ont pas tué, ils veulent pas me tuer, donc... Ouais, sauf qu'ils vont pas nous laisser s'approcher de toi.
Pour ça, je me barre de l'avant-poste à pied. Mais il va pas nous laisser s'approcher de toi, en fait. Il me voit déjà. C'est le problème. Bonne question. Là, s'il me voit. Ouais, le truc, c'est qu'ils vont nous spotter. Effectivement, une question pertinente. Ils vont nous spotter. Ouais. Surtout avec l'espèce de mastodonte que je porte. Ah, faut que je claime le vaisseau aussi. Est-ce que... Bon, mais, je crois que le Gladius, ça va me tuer. Bon, allez. D'accord. Je trouve que c'est d'assez médiocre preneur d'otages, quand même. Hein. Retourne dans ton bunker où t'es mort, toi. Bah, bute-moi. Alors, on n'arrive pas à tuer une petite basse-pied. Ah, bravo. Point de touche. Ah, c'est ils ont réussi. On a affaire à des preneurs d'otages compétents. Moi, je veux juste récupérer la prime qu'il y a sur... qu'il y a sur le Gus. Le Jack Falker. Ah, donc ils ont quoi? Ils ont un Gladius, un Eclipse et un Vanguard? C'est ça. Une compo de merde, je suis désolé de dire ça. Non, au contraire, c'est une très bonne compo. Non, elle se tient bien. Pas pour le coup de dogfight. Bah là, leur but, c'était de nous immobiliser. Ils ont réussi à le faire. Oh oui, oui. Bon. J'ai pas un sabre qui dort, moi, si, si, je crois. Non, j'embarque un Gladius. Et comme tu le sens. Casque zoom, voilà. Enfin oui, la compo est bien pour immobiliser, mais... Bah c'est ce qu'ils voulaient faire, ils ont réussi, hein. Oui. Ils sont un peu revanchards. Ultime qui dit en vrai, ils ont géré leur truc, complètement. Oui. Alors, en fait, ce qui était gênant, c'est qu'ils ont pas demandé un prix immédiatement. Ils auraient... Enfin... Bah, de toute façon, dans tous les cas, le truc, c'est que c'est pas intéressant dans le sens où là, si j'avais des trucs de valeur, oui, ça aurait été intéressant. Là, en l'occurrence, non. J'ai rien de valeur sur moi. Donc... Ouais, c'est ça. Il est où, mon... Il est là. C'est-à-dire que... une armure que j'ai en 50 exemplaires et... Bah moi, l'armure, c'est un truc que j'ai acheté rapidos sur Evil Sarbor. C'est ça. Et des armes que... Les armes, j'ai looté, ouais, aussi. J'aurais été dans le Freelancer Max plein à bord de Contanium, ouais, là j'aurais payé volontiers. Oui. Le problème c'est que bon bah c'est bien faire une prise d'otage mais faut mettre de la valeur, faut qu'il y ait une raison de payer. Ah putain, j'ai perdu des NFT à cause de ça. Non, mon NFT. Non. Une catastrophe absolue. En tout cas, je voulais voir si jamais ils répondaient à la provocation, ils n'ont pas répondu à la provocation, donc en effet, ils sont des bons pirates. Oui, je sais, je peux faire croire que... Non mais sans déconner, c'est plus le même numéro de série de mon Gladius, ni celui de mon Avenger. Pff, je suis dévasté. Oh, voilà. C'est la tristesse. Vraiment une catastrophe. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Donc leur prise d'otage était un peu cringe hein, au début. Là surtout en fait c'est... Ils ont voulu faire un effet de surprise mais ils auraient pu tout simplement... Là ils voulaient juste pas qu'on décolle. Ils ont réussi. Ouais. Oui mais en fait le manque de communication est assez fâcheux en fait. C'est surtout ça qui me gêne. En soi leur plan était en essence bien exécuté. Si on omet le fait que, effectivement, ils ont juste pas parlé. Bah, le truc surtout, c'est que. En soi, c'est. Comme je disais, ça aurait été une prise d'otage qui était intéressante. Pour eux, bah, s'il y avait un intérêt à ce que je paye, là, j'ai absolument aucun intérêt à ce que je paye, puisque ce que j'avais sur moi, c'est du. C'est les trucs que je pourrais paumer facilement. Ah, moi, je vais devoir retourner sur Arcop, récupérer mon armure. Hein. Ah, zut. Pourquoi l'étoile tient pas dessus? Parce que je pense qu'il l'avait détruite. Il l'avait détruite.
c'est ça, les différentes explosions qui avaient eu lieu. Exactement. Bon, je retourne au combat. J'arrive, je suis à 200 000 km. J'arrive soudain. Mon ascenseur sera arrivé. Il est en zone armistice, sérieux? Ils sont en zone armistice les deux? Oh mais non, c'est pas marrant. Zone armistice? Non mais sérieux? Bon, je vais faire le dogfight contre le Gladius. Ouais, j'arrive. On décolle. Mais t'es bien qu'on vienne tous ensemble. Oh, le temps de claim le Gladius. Ouais, les meilleurs dogfighters que moi, clairement. Je suis pas un bon dogfighter. On va devenir tous ensemble. Ah bah, c'est... Je vais refaire spawner le Gladius, c'est pas grave. Tes boucliers se rechargent pas. Si, ils se rechargent, ultime. C'est juste que, vu que je sens un feu constant dessous, je rappelle qu'il y a un délai avant que les boucliers se rechargent. Il y a un délai de... 4 secondes. Autant que ça? Ah bah oui! Je vais faire le claim du vaisseau, je vais te montrer sur Hercule. On va faire monter sa prime. Elle est sur notre mission au pire. Bah non, là en l'occurrence, c'est juste on essaie de faire cette mission là. Ouais, un peu de dogfight PVP, c'est j'en fais suffisamment rarement, donc autant en faire là. Gladius. C'est l'occasion. Je crois que c'était plutôt l'ordre de 2 secondes. Non, c'est beaucoup plus long que ça, et puis même, de toute façon, 2 secondes... là, je les avais pas, les 2 secondes, pour pouvoir recharger. En fait, 2 secondes, c'était plutôt avant, et aujourd'hui, c'est... t'as beaucoup plus de temps pour le rechargement. Alors, non, les FR-66 de base se rechargeaient en 3 secondes 5 quand ils étaient pas vidés. Quand c'était vidé, c'était 5 secondes. C'est pour, et pour les, le palissade que j'utilisais à l'époque, c'était du 4 secondes 5 quand il était endommagé et 8 secondes quand il était vidé. Donc. Pas besoin de nous, c'est-à-dire. FR66, 5 secondes de rechargement. Il soit vidé ou endommagé. Ça fait une animation originale, c'est ça. Comme je disais, je fais assez peu de dogfight PVP, donc là ça peut être intéressant. Ah par contre j'aimerais bien, voilà, avoir accès à mon inventaire local, s'il vous plaît. Puis là je perds que dalle moi à chaque fois, hein. C'est... en tenue PVP, ce qu'on appelle tenue PVP. Un passage du Michel et un petit tir. Bon, c'est de l'ajoute, mais. Ouais, c'est moi, je suis. Déjà, je suis pas très très bon en dogfight. Mais. Je suis encore plus mauvais en dogfight atmosphérique que spatial. Pour lire. Moi, je l'ajoute pour gagner du vent. Ok, ben j'arrive. T'avais quoi comme vaisseau? Ah ouais. Pas de 6. Pas de 3. Et mon chat, viens. Oui mon petit bébé. Ça va mon chat? Comme je le disais, hein, Scotch, il aime pas quand on le prend dans les bras, mais il aime bien se caler dans les bras. C'est bien là mon chat? Oui, hein. Oui, je sais que tu veux des câlins. Mais papa il est occupé. Il essaie de faire un petit peu de dogfight. Bon, tu t'installes. On m'arrache une aile, le salaud. Ah, en même temps, le sabre, hein, c'est le problème. Hein. Enfin, pas une aile, mais un aileron de dorsal. On arrive, je suis en train de décoller là.
Aegis Combat Assist activated. Systems green. Quand on arrive. Abuser de la vitesse de mon vaisseau par rapport à vos couleurs. Et j'arrive. Je vois deux Gladius par contre. Ah, ils ont peut-être aussi... Non, il y a un joueur chasseur de prime qui est présent aussi. Ah non, c'est... Chefren, c'est en effet, c'est le mec qui me disait à combien est-ce que t'estimes ta vie. Ok. Bah, Horus, on monte en altitude. Let's go. Ouais, j'ai Zeus qui est sur moi. Ils se mettent à plusieurs sur nous, dis donc. Il y a un vent de full. Ouais, bah c'est le Vanguard. Je suis sur le Zeusma. Ils sont à plusieurs sur moi. Je vais pas tenir. J'arrive. Ah mais tu m'as tiré dessus, Horus ? Non. Je t'ai vu en rouge. Ah. Ça y est, tiens, j'ai attiré leur feu. Ah. Essaye de manœuvrer à sa Freddy, je l'engage. C'est quoi ça? C'est le Vanguard? Putain, le Vanguard, ouais, est... Le Vanguard, ouais. Le Vanguard s'est joint à la partie, tiens. Ah oui. Bah ils sont en groupe donc oui, c'est normal. Ouais. Vanguard par contre simple à toucher avec la missile. Hein. Ouais, je l'ai bien touché. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire que... Comme ils ont pas réussi à m'avoir tout à l'heure, bah du coup ils essayent de me buter maintenant. Descendu les boucliers du Vanguard, il est en train de fuir. Ouais, je suis dessus. Faut qu'on les prenne hors atmosphère, les gars. Il est bien endommagé, le Vanguard. Quoi ça? Ouais, il a pu remonter ses shields. Ouais, mais c'est pas dramatique, ça. Gladius qui est à... 5 bornes. Je commence à prendre du disto. Ah, oh, ça fait de l'animation. Le Vanguard se barre full speed, je le suis. Je le rattrape aussi. En fait, le Vanguard sert de support et de tank. Vraiment qu'on le sorte. Ah, Scotch, c'est pas le moment, mon chat. Ah, il s'est barré, le Vanguard a sauté. Bah alors, okay. Le Vanguard a sauté. On le suit. Ah, venez, je vois rouge. Ah, il a interrompu son saut. Bah, lui, il estime cher sa vie. Horus, je te conviens, je te vois en rouge. Moi aussi. Je pense que t'as dû me tirer dessus. Ouais, et ça fait du saut si je te veux. Y'a un Gladius qui t'en veut. Ouais, je sais, je suis dessus. C'est Zosma. J'ai pas son tag à lui. Tu l'as sur la HUD? Non, même. Sur la MFD? Ah, si, effectivement, c'est Zosma, ouais.
qu'on a vraiment un dogfight à haute vitesse là. Ouais, faut qu'on l'arrête, c'est joute pas pertinent. Il est sur moi le mec hein. Ouais, y'en a un autre sur moi. Ah putain. Je lui ai foutu le cockpit rouge. Bah. Faut que je m'attaque à l'autre. Là, je le prends en chasse. Moi c'est rien, je rattraperai pas. Ah il a sauté. Non ? Non, il a pas sauté. Il est toujours là. Non, 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 je sais pas, j'ai mis une D5. Ouais, moi aussi. Je crois qu'il a craché. Là, il a sauté. Il a sauté. Non, attends. Mais si. Non, ok, j'ai plus qu'Horos. Bah, voilà. Et je sais pas pourquoi est-ce que je vous vois okay. En rouge, les gars. Moi, oh, j'ai Horos en rouge et je t'ai toi en bleu, du coup, d'air quoi, mais. Bon. Bah, ils ont sauté côté Harcorp. Curieux ce qui se passe quand les gars n'ont pas les éléments de surprise. On va réparer quand même. Je vais réparer, ouais. Faire le plein, restock, tout ça. Après, pour leur défense, le Vanguard n'était pas stuffé pour faire du DPS. Oui, non, mais... voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais le sortir impérativement, parce que le truc, c'est qu'il avait quand même une arme taille 5 sous le nez. Surtout, en fait, une distorsion. Le distorsion c'est extrêmement puissant. Hein. Enfin, c'est... Non, c'est moins puissant que. Ça fait moins de dégâts. Alors, que ça les ne te armes fait laser. Pas de dégâts. Par contre, à partir du moment où tes shields sont tombés, ouais, ça t'immobilise. T'es beaucoup plus en danger. Ouais, c'est sûr. Et ça fait plus de dégâts au shield. Donc, en soi, ça reste un loadout qui est très très dangereux. Donc, non, c'est dommage. Beau fight, c'était cool. Ouais. Je vous montre directement le chat complet si vous voulez. Hein. Je suis déçu de pas qu'il soit pas resté. Franchement, ça aurait été. Même si on perdait peut-être celui-là. Oui. Dans l'ensemble, c'est eux qui ont gagné. Hein. Dans l'ensemble, quand on regarde, on est tous morts au moins une fois. Non, pas moi. Non, pas toi. Ok. Parce que moi, et on n'a pas réussi à en annihiler un seul. Donc ils l'ont gagné, mais c'était beau. Moi, j'ai bien kiffé. Oui. Ben, en fait, pour moi, sur ce fight. Ils ont. Ah, enfin. Ils vous ont tué parce que vous étiez au sol. Enfin, vous étiez l'équivalent de piéton. Oui. Sur le fight à proprement parler, personne n'est mort. C'est vrai. Sauf la première fois où j'ai rushé comme un tarde. Oui, oui. Voilà. J'ai une question. On a gagné combien? Enfin, elle coûte combien la mission qu'on a fait? Non, c'est 75 000 10 par 3, donc 25 000 chacun. Écoutez, je vais être sympa, au moins. Pour le combat. Il s'appelle comment celui qui nous a payé? Enfin qui nous... Il y avait... C'était Schaeffer, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que Schaeffren. Ouais, un truc comme ça. J'ai pas noté exactement son pseudo. Et le dernier, c'était le Vanguard avec un certain... Mais alors... Un truc en one. Je sais pas s'ils passeront sur le stream ou s'ils passeront sur le replay. Mais la prochaine fois, quand vous faites une prise d'otage, c'est cool, mais assurez-vous que la personne a quelque chose à perdre pour lui demander de l'argent. Là, franchement, j'avais du stuff, je m'en foutais de perdre. J'ai pas sur les mots trader, on trouve que les amis, y a pas de... Non, tu peux trouver n'importe qui. C'est info sûre. Comme je le disais. Voilà. Comme je. Le... Ah, comme je le disais à l'instant, pour payer, il aurait fallu que j'ai quelque chose à perdre. Vous avez même pas décrété la valeur de vos vies. Parce que c'est une vie virtuelle. Parce que c'est une vie virtuelle. Donc, Osef. Non, franchement, j'ai kiffé. Ah, moi, j'ai payé pour le dogfight, j'ai pas payé pour ma vie. J'ai pas payé du tout. Ils veulent fight, y a pas de soucis, mais j'ai pas besoin de payer pour fight.
Juste dites-moi que vous voulez fight, c'est plus simple. Hein. Bah après, le truc c'est... En l'occurrence, eux ils étaient... Comme je te disais, c'était des personnes qui étaient déjà avec un crime stat sur la tête avant même qu'on arrive sur zone. Donc... Il y a eu ce full. Ouais, les gars ont un peu RP, c'est vrai, oui. Mais bon, enfin, moi, le roleplay, c'est pas ma cam. J'ai filé à la bonne personne, mais ouais. Je pense qu'il n'y a qu'un seul de Zosma. Ouais, normalement, bah, de toute façon, c'est... Si t'as regardé ce qui était marqué sur le chat et que t'as récupéré le même solo, normalement, ça va être bon. Ouais, ouais. Il n'y avait pas les majuscules, mais je présume que c'est pas... Propriétaire du manga, est dans ton chat, Terco. Ah bah, salutations, au passage. J'ai pas noté les pseudos. Ouais, puis comme je disais, c'était... Ouais, j'ai pas vu, je vais checker ça plus tard. Riven One, ouais, c'était quoi, le... J'ai pas suivi. Ah oui, parce que tu disais, Waros, que t'avais viré 25k pour le dogfight, ouais. Ouais, ouais. Non, franchement, c'était un bon fight. Et le truc, c'est franchement, par rapport à ça, les gars, je vais vous calmer le jeu. Alors, par contre, Saf, il y a ton micro qui s'active. Yeah. Ah, ouch. Voilà. Autant Horus que Saf, enfin, je sais que Horus, toi, c'était majoritairement toi. Saf, je sais plus si tu l'as dit. Mais ne pas gueuler directement au stream snipe, s'il vous plaît. Quoi. Oui. Là, il n'y a aucun élément qui. Oui, là, je suis d'accord. Qui fait penser que c'est le stream snipe. Je suis d'accord, mais je voulais voir si ça réagissait direct. J'ai pas dit ça réagissait direct. Ça n'a pas réagi, ça a été legit. Sinon, j'aurais pas payé. Si jamais c'était vraiment. Si jamais j'aurais vraiment continué à penser que ça aurait été des strip snipes, j'aurais pas donné 25k. C'est vrai. Bah tiens, il y a Zosma qui a une prime sur la tête maintenant. Mission acceptée. Ah, parce que j'avais pas accepté tout à l'heure, c'est vrai. Résultat, bah je vais redescendre sur leur ville pour me stuffer, et puis on va se refaire. Vu que maintenant on sait qu'on peut se partager les missions, et ben on va se refaire une mission. Ensemble. Et yo Misty. J'aimerais équiper. Ce qui est bien, c'est que ça donne plus de crime stat d'être dans la zone comme ça. Ouais, c'est ça qui est cool. Il nous reste une petite demi-heure, donc le temps de faire une seule mission. Je vais quand même sauter directement sur leur ville, histoire de gagner un petit peu de temps. Une bonne journée dans l'espace. Oui, ça va tranquillement, on s'est fait un petit road trip, puis on s'est retrouvé à faire un petit peu de dogfight. Bon, moi j'ai pas un très bon niveau de dogfight, je le répéterai jamais assez. Mais c'était quand même bien fun. Moi j'ai bien kiffé. La prochaine fois, il essaie surtout de nous choper dans les épaves. Avec un peu de chance, un objet unique, quoi. Oh, même ça, pour le coup, je vais pas m'amuser à payer les crédits pour si peu. Pour le Quantanium, de toute façon, même pour le Quantanium que j'aurais mis du temps à miner, très sincèrement, j'ai 3 millions de crédits. Vu que j'ai pas d'objectif de vaisseau à acheter in-game, parce que je me contente majoritairement de l'Avenger et du Gladius. Bon, même s'ils me demandent de payer ne serait-ce que 100k pour me laisser passer, bon allez, 100k, pourquoi pas. Mais pour me sauver la mise, allons, pas plus quoi. J'avoue que à mon état, vu comment j'ai très peu farmé dans le jeu, 100k c'est pas assez. Sur quoi c'est trop. Oh les bâtards, ils m'ont loot. T'es vraiment retourné voir ton cadavre? Ouais, les bâtards ils m'ont loot. Oh! Ah bah ils ont fait les pirates jusqu'au bout. Ah ils ont raison. Bon. Alors que je retourne sur Hardcore. Mais oh, je m'attendais pas. Alors attends, ils se sont dit, ah, l'armure elle est jolie, vas-y je la prends quoi, c'est normal. Ah mais vous savez, l'armure vous pouvez l'acheter sur Pourlissard hein. Ah, il a. Ils ont raison. Ah, mais grave. Bon, bah, je suis le team de la bonne soirée. Ciao, ciao.
Yusul Kini, ça va faire un souvenir, mais grave. Hein. Bon, le truc, c'est l'armure que j'avais, c'est une armure que j'ai pris en catimini directement sur Evarus Arbor. Il y a juste l'undersuit, c'était une stone skin blanche. Mais je crois que tu peux la récupérer facilement aux alentours de Microtech, celle-là. Donc, j'ai vraiment rien paumé. Et le fusil à pompe, c'est un fusil à pompe que je chopais dans une caisse, donc. C'est pas bien que les gens jouent en pyjama. Ah bah là, les deux trucs de dogfight, regardez, là, je suis en pyjama. Hein, les deux trucs de dogfight. Deux vides dogfight que j'ai faites pur et dur. Bah, j'étais en pyjous, hein, c'est pas pour rien. Et quand t'as rien à perdre. Voilà, bon, je vais claquer quoi, 10 000 pour récupérer une nouvelle armure et une arme. Pour ensuite me faire flinguer par un PNJ qui aura désynchronisé. Ouais. Parce que c'est vraiment dramatique, quoi. Ok, bon. Alta Horus, toi, tu es parti à péter au choc les oies pour aller te stuffer, c'est ça? Non, je suis surtout à... Je suis retourné sur Ashurel. Hein. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a des équipements sur place. Je me suis surtout suicidé parce que, bon, bah... Ah, ils se sont déconnectés, visiblement. Ils se sont déconnectés du serveur puisque j'ai perdu la mission de... Oh. Dommage. Bon, au moins... Bah, ça, pour moi, ça me conforte dans le fait que c'était pas du stream snipe, quoi. C'était juste. Oui, juste voilà. Là d'occasion, quoi. Bah, en fait. Ils auraient encore fait chier. Ouais. C'est ça. Ouais, ils sont tous déconnectés. Ah, mais c'était un beau fight, moi j'ai bien aimé. Effectivement, c'était un beau fight. J'aurais bien aimé qu'il se prolonge un peu, mais c'est un beau fight. Ils ont raison, hein. Et par contre, ça, sincèrement. T'aurais dû rusher ce putain de sentinelle avec ton 400i. Mais un sentinelle avec du distorsion sur un 400i, je donnais pas cher du 400i. Hein. Bon, arrête. Surtout le 400i, c'est pas un vaisseau de combat. C'est pas un vaisseau de combat, je suis d'accord avec toi, il mais attends, il a juste 30 secondes. 3, d'accord, mais c'est comme avec un attends. Constellation. J'aurais pu le attends, RAM, mais le RAM, c'est pas fun. 400i, stock en termes de shield, t'es à combien? T'es à 100 000 points de shield. 100 000. Non, je suis à 25 000 sur les flancs. 25 000 par side, ok. 25 000 par side. Non, c'est un T3. Avec le Stalker, je suis à 14 000. C'est... Ouais. Tu tiens large, faut arrêter. Bah, j'ai plus de shield que toi, mais il faut arrêter de se dire qu'un 4... C'est comme avec mais un Constellation, c'est que hein. le pas invulnérable. T'es pas invulnérable, certes, mais ça nous aurait certainement laissé le temps à Horus et à moi de décoller pour qu'on puisse se barrer derrière. Je suis arrivé, en fait, je suis arrivé trop tard sur la manœuvre que je voulais faire. Ah. Et surtout, j'ai passé beaucoup trop de temps à observer si le Vanguard me chassait ou pas. Or, il m'a pas chassé, il attendait devant l'entrée, j'ai passé 2 minutes à attendre. Donc là, effectivement, attends, ça c'est ma faute. À ce moment-là, ça, nous, on n'était pas... Non, c'est pas forcément ta faute, parce que nous, à ce moment-là, on n'était pas encore prêts. On était encore dans le bunker. Mais genre, en fait, ce que j'ai été désarçonné par le Gladius. Et du coup, je vais me mute une seconde parce que ma coloc fait du bruit. D'accord. Hop, bon, moi je vais récupérer la fameuse armure que j'aime bien. Par contre, mon sac à dos, je sais pas est-ce que je le récupère. Je crois que c'est Hardcore aussi que je le récupère. Ton sac à dos, je... Ça joue qui dit arrêtez de vous chercher des excuses, vous étiez pas prêt à tous les niveaux. Oui, clairement, on était clairement pas prêt. Non plus pas surprise, et c'est d'ailleurs... c'est bien fait comme ça. Hein. Ils ont géré là-dessus. Ouais. Mais après, comme je le disais, voilà, c'est... très sincèrement, j'aurais des trucs à perdre. Moi, j'aurais payé sans problème. Hein. Mais là, j'avais rien à perdre, donc bon. Et c'est assez beau. Petite question à Prospector, pour que ce soit rentable, on est obligé de miner du Cantanium si on débute. Non. En fait, dès lors que tu mines quelque chose et que tu fais rentrer des crédits, t'es rentable en fait avec le Prospector. C'est le gros avantage du Prospector d'ailleurs. C'est que c'est ce qu'on appelle un money maker. Un vaisseau qui va te faire gagner de l'argent quoi qu'il arrive.
Le Quantelium est évidemment... Je déco. Ça marche. Le Quantelium est évidemment le minerai le plus rentable. Mais il y a d'autres alternatives. Je connais pas les tarifs des différents minerais qu'il faut que tu peux récupérer qui sont rentables. Mais il y a Roxy Rotul qui avait fait une vidéo qui expliquait comment est-ce que elle de son côté minait et elle faisait pas de Quantelium. Juste le temps d'acheter ceci. Et je vais te passer le lien de sa vidéo, c'est une vidéo qui fait même pas 10 minutes. Elle a sorti je crois la semaine dernière. Parce que oui, Roxy a refait une vidéo. Roxy Rotul. Ma méthode de minage, c'est une vidéo qui fait 5 minutes 34. Copier le lien. Le lien est dans le chat. Nous disions, je vais m'acheter une arme. Personal Weapon. Le A03. Munition d'A03. sans crédit pour 20 chargeurs. Après, ce qu'il faut savoir quand même par rapport à ça, Ebou, c'est que t'as certains minéraux qui vont te rapporter davantage que l'autre. Excusez-moi. Désolé. Donc voilà, c'est faux. Gardez ça en tête, t'as des minéraux qui seront plus intéressants que d'autres. Après, comme je te le disais, moi je ne connais pas les différents cours de ces minéraux, donc je peux pas vraiment te renseigner. Alors 6, ça devrait suffire. La pose qu'il a mon personnage en mode gravure de mode, c'est n'importe quoi. Hop, armure. Cette page 2 normalement. C'est ça. Torse. Les jambes. Les bras. Casque. On est bon. Il me faut un sac à dos. Et l'activité autour de leur ville. Ouf. Il me reste 3 sacs à dos. Alors dans ce cas, je vais pas forcément m'équiper plus que ça. On va prendre l'Avenger et on va aller récupérer les sacs à dos. Juste parenthèse. Et cette façon, j'ai daf. De l'activité en termes de vaisseau, tu veux dire? Ouais, il y a beaucoup de vaisseaux qui tournent. Juste moi qui fais le mariole. C'est toi qui fais le mariole, ok. Ouais. Équipement, bougez pas parce qu'il faut que je vois où est-ce que on peut acheter. Hey, dès que tu survoles les abs, non, en autopilote. Oui, c'est normal, c'est une zone qui est protégée. Ouais. Donc backpack. Hey, non mais backpack. Ok. Faut d'abord que je mette un corps avec l'Artimex. Voilà. Backpack. C'est quoi déjà le nom du backpack que j'ai qui m'intéresse? Alors là. C'est le Arden CL Backpack Archangel. Oh, l'Archangel, je sais pas où il se trouve. Justement, c'est pour ça que je regarde ça. Le Archangel, disait... Pas Grimex, peut-être, ouais. Je crois que c'est à Grimex. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faut que j'aille à Grimex pour récupérer. Oui, c'était ça, c'était à Grimex. Donc là, en fait, Safredis, on va pas faire de mission. Okay. Mais si tu veux, tu peux m'escorter parce que je vais aller à Grimex, je vais m'acheter 10 sacs à dos et je vais les ramener à leur ville. Let's go! Parce que là, sinon, il me reste 3 sacs à dos, c'est-à-dire que j'en ai déjà bouffé 7. Ça commence à faire.
parce que le Vengeur, mine de rien, c'est un bon petit appareil. Avec un espace inventaire local qui est pas mauvais. Hop. Tu regarderas sur la gauche du métro d'Erco. On va jeter ça. Dès que l'autopilote arrête de me forcer. Là, je te vois plus. Ah, je suis passé trop bas. Bah en fait, le truc, c'est que là, t'es dans le montant de la porte. Ah, là, ça y est, je te vois. Et là, t'es au-dessus du tram. T'es à droite du tram. Je te vois, Saf. Et là, kaboum. Non ? Kaboum, non. Ça va, je vois que t'as confiance en mes compétences de pilote, c'est cool. Il y a une mouche qui vient de se poser sur mon micro, sérieusement. Mais dégage, bouge de là toi. Mais sérieux? D'accord, j'ai la mouche dans les doigts. Attendez, bougez pas, je vous jure. Elle m'a laissé la prendre. J'ai la mouche dans les doigts là. Derco, l'ami des animaux. Hop, tu vas beaucoup moins bien voler avec une seule mouche. Une seule. Ah, il y a madame qui vient de rentrer, tiens. Ça fera un jouet pour les chats. Oui, ils ont mis une verrière au-dessus du concessionnaire probablement parce qu'il y avait des gens qui essayaient de ramer les vaisseaux sur l'air du concessionnaire. Oui, mais normalement, il y avait l'autopilote qui se déclenchait avant. Ouais, mais là, comme l'autopilote a été grandement réduit, comme t'as pu le voir, ouais. Et ben, il y a moyen de les percuter quand même. Hop. Jusqu'où est-ce que je peux me rapprocher de la verrière ? Hangar 9. Je sens que tu vas t'écraser contre, façon mouche contre une vitre. Mais non ! Hey ! Wow ! Ok. Autopilote ? Non. Ah non, tu peux toucher la vitre. D'accord. Mais effectivement, j'ai fait un peu poc. Façon mouche contre une vitre, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Au moins un peu plus gracieux, un oiseau qui s'est assommé. Yume, tes griffes. Ah bah voilà, t'es bloqué. Non mais tire pas comme une couillonne, tu vas déchiqueter le fauteuil. Mais oui. Urgence, griffe chat. Détruis le fauteuil. Oh mon dieu. Est-ce qu'il y a le toit ? Yume qui évidemment vient de faire une sieste de littéralement 3 heures puisqu'elle est présente dans le bureau depuis le début du stream. Qui se réveille, elle fait quoi ? Elle s'étire en plantant ses griffes dans le dossier du fauteuil que madame utilise normalement pour utiliser mon ancien PC. Et elle a une griffe qui est restée bloquée à l'intérieur. Réflexe normal. J'arrive pas en tirant, je vais tirer plus fort. Non. C'est un chat. Arrête de me verrouiller, ça me stresse. Comment tu sais que c'est moi ? Ouais, parce que je vois très bien que t'es au-dessus de toi. Autour de... Ah non, il y a un autre glandu autour de Crusader. C'est un certain Overlord 2420. D'accord. Soit. Tu vas réussir à te mettre en bonne position à côté de moi pour que je puisse prendre un joli screenshot. Je vais essayer. Ne dis pas que je suis plus rapide que toi en atmosphère, oh, et que je ne pourrais pas.
C'est juste que j'essaye d'éviter de te rentrer dans le fion. Moi, t'es à l'envers surtout là par rapport à moi. Ok. Là, t'es à l'endroit. Là, t'as 90 degrés en fait. Essaie de positionner de telle sorte que je t'ai dans le cadre, putain. Et que je puisse prendre un screenshot. Mais comme tu bouges, c'est pas évident, hein. Je vais tout droit. Non. Ah si. Pas bien de mentir. Je me demande si... En... Ah, par contre, là, tu m'attrapes pas. Tu m'attrapes pas. Je suis à 1300 mètres par seconde. Alors, ah, je descends à 1200. Je suis à... 1070. 1069, pour être exact. Ok. Sauf que j'ai un joli screenshot pour demain. Merde, je t'ai perdu de vue. T'es là. Ok. Attends, bah, je vais ralentir encore un peu parce que j'ai l'impression que tu galères trop. On va descendre à vitesse genre 300 mètres par seconde. Ouais, je suis pas encore habitué à faire du vol en formation. J'ai dit que c'était pour toi. Tu as 372 mètres par seconde. Ok, je vais essayer de me caler là-dessus. Il y a Barbara qui hier a ramené des donuts. Et genre des bons gros donuts des familles. Et merci Dayum pour le raid, bienvenue à tous. Et je lui ai dit ouais, je vais t'en laisser un quand même. Elle me dit mais non, enfin je vais t'en laisser deux plutôt. Elle me dit non, les deux, il y en a deux qui sont pour toi. Mais non, je vais en prendre qu'un seul. Là, je vais en laisser. Parce qu'elle a pris 5. Oh, oui, là, c'est bon. Fais l'amour à la caméra. Vas-y, avance encore un peu. Avance. Encore. Vas-y. Change pas de main, je sens que ça vient. C'est bon, j'ai la miniature de demain. Parfait. Et bah écoute, direction Crusader. Je m'arrête net, si tu veux t'arrêter à côté de moi. Et merci NK pour l'abonnement. Non, pas complet, je vais beaucoup. Faire un petit saut par... Bon bah je saute directement alors. Oui, fais un saut. Et ça t'assemble à l'ours. J'ai pas la... Et je vais pouvoir m'arrêter à Cruel. Hein. Parce que dommage. J'ai pas le carburant, j'ai pas d'Atlas. Canuck dit petite question, où est-ce que je peux acheter des armes pour vaisseau Klaus and Werner? Alors personnellement je récupère la plupart de mes équipements offensifs au niveau de New Babbage sur Microtech. En fait on va faire un petit aparté Hercule pendant le Quantum, que ce site là est absolument génialissime. Donc mettons l'Avenger, et tu te dis vas-y j'ai envie de prendre le CF 447 Rhino. En fait en cliquant sur... ce petit truc sur le bord de l'item, tu peux voir ici l'endroit où tu peux récupérer les items. Alors il y a New Babbage comme je le disais, HURL2, HURL3, HURL5. Mettons maintenant par exemple je veux récupérer le 337. 337, tu regardes, il est disponible à la zone 18, New Babbage, HURL2, HURL4. La plupart des armes sont disponibles à New Babbage. J'équipe la quasi-totalité de mes vaisseaux à New Babbage d'ailleurs, comme ça. Hop. Donc, point d'exclamation, loadout. Je viens de faire la commande sur le chat. Je vous montre l'affiche de mon Gladius. Hop. Donc, ça, c'est mon Gladius Valiant, tel que je l'ai équipé. Regardez donc les armes 337 disponibles à New Babbage, comme je vous expliquais. Les lanceurs de missiles disponibles à New Babbage. Comme je le disais, les missiles, pareil, dispo à New Babbage. Et pour tout le reste, exception en fait du moteur de saut, on y reviendra un peu plus tard, les boucliers disponibles à Horizon. J'arrête le bouclier disponible à Horizon. Les refroidisseurs disponibles à Horizon. Et il y a juste le moteur de saut qui lui est disponible uniquement à HURL5. Et donc en fait, il y a deux endroits principaux qu'il faut connaître. Le Cousin Crows de Horizon et comment il s'appelle, non c'est pas ça, les armes,
le Center Mass de New Babbage. Et après, bien entendu, pour l'Atlas, qui est le moteur de saut que je conserve toujours, le Platinum Bay, le HRL5. Voilà. C'est vraiment avec ça, en fait, en allant sur les deux endroits, sur ces trois endroits-là, je suis équipé pour quasi tous les vaisseaux. Et donc ce site-là, Cagno, tu retrouves en faisant pour l'exclamation équipement au pluriel, et tu peux t'inspirer des loadouts que j'ai fait pour l'Avenger, le Gladius, le Prospector, l'Eclipse ou le 325A. Simplement. Et donc je sais pas si j'ai dit, mais merci NK pour le rabonnement cette fois complet. Bonsoir ici, bonsoir à toi. Je sais pas si on va avoir le temps de faire le chemin retour au final. Hein. Parce que là, il commence déjà à se faire tard, et si je vais enchaîner sur dans 5 minutes, non, c'est limité. Ouais. Je vais faire du Elden Ring, ça va être compliqué. Et ça, de quoi ? On va se poser sur Grimex. Et on va... Ouais. On va récupérer les différents... différents sacs, et puis on fera le chemin retour vendredi, si il n'y a pas le PTU de la 3.17. Tu fais partie de la vague 1, toi ? Ouais. Nice. Parce que sub. Ouais, moi j'ai fait partie de la vague 1 pour d'autres raisons. Et parce que... concierge ? Oui. Bah moi, les deux en fait. Parce que les abonnements sont calculés dans le montant d'argent que t'as donné à CIG. Ouais. Et du coup, t'es concierge avec les abonnements ? Je suis passé concierge début d'année, je crois que c'était janvier ou février. Ah, d'accord. Alors c'est pas que avec les abonnements, puisque aussi le fait que... avant que CIG rentre en contact avec moi pour organiser les giveaways, ça venait de ma poche. Donc je les achetais moi-même, et je voulais juste gagner aux viewers. Et donc, vu que c'est conseillé comme étant un investissement, bah voilà. Ça okay. Fait monter comme ça. Stylé. Va falloir que je change le moteur de saut du Gladius. Hein. Ah bah Atlas. Meilleur. Ouais. Bah c'est simple, c'est celui qui te permet de sauter en fait, qui te permet de faire des allers-retours parce que... Alors t'as l'expédition aussi qui est relativement bon, hein. T'as 60 oui. Quelques millions de kilomètres d'autonomie, ce qui est pas mal, mais l'Atlas t'es à 77 donc... C'est celui sur les 300i je crois. Peut-être, je sais qu'il est de base sur l'Avenger Stalker et sur le Titan. Ok. Sur le Warlock je sais plus. Je me demande s'il est pas de série sur tous les Avengers. Bien, si je peux me permettre un ben non, je te conseil. Permets pas. D'accord. Ah ben, si, vas-y. Alors... vas-y. Est-ce que si tu as un hat, enfin tu sais, un chapeau sur ton joystick ou ta manette des gaz ouais. Qui est pas bindé, bind-le à ton triangle des puissances. Je l'ai déjà fait. Mais tu t'en sers pas. Je m'en sers quasiment jamais, sauf en situation qui le nécessite. Je suis même pas sûr de t'avoir vu l'utiliser pendant le fight là. Non, j'ai pas utilisé pendant le fight parce que j'ai pas eu le temps. D'accord, bah justement en fait là. Enfin, moi en gros, c'est sur un hat. Si, techniquement, je l'ai utilisé. À un moment, j'avais besoin de récupérer du boost. J'ai tout foutu sur le boost, puis j'ai ensuite rebasculé sur les boucliers, puis j'ai renormalisé. Ok. Ouais, parce que en fait, t'es souvent normalisé, donc tes canons rechargent très lentement, enfin trois fois plus lentement. Et du coup, c'est plus délicat. Mais après, si ça marche. Là, je me mets en fait. En position par défaut, je me mets moins normalisé. Et après, c'est sur la situation, je favorise tel ou tel truc. Ouais, ok. Moi, en général, je suis plutôt en full dans un truc, au moins. Oui, moi, c'est ce que je fais. C'est, je me fais pas chier. C'est, quand je dis que je favorise, c'est-à-dire que je mets à fond un élément et pas les autres. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est sur la manette des gaz de mon TAS, il y a trois chapeaux chinois. Et celui qui est tout en haut, bah je m'en sers. Donc, en haut, c'est pour tout ce qui est armes. En bas, c'est pour recentraliser. Avant, c'est tout ce qui est boost. Et arrière, c'est tout ce qui est bouclier. Ok. À peu près la même. Mais ouais, du coup... Je m'en sers dès que je fight en fait. Ouais, moi ça... je suis pas un gros dogfighter donc.
Voilà. Bah, en fait, je suis pas un bon dogfighter, mais j'aime bien avoir les strats. Bah, le truc, c'est que ça dépend vraiment de la situation. Là, en PVP, surtout là, quand je me suis lancé de mon côté, tout à l'heure, j'étais seul contre 3, donc c'était vraiment un move suicide, hein, clairement, on va pas se mentir là-dessus. Donc ça servait pas forcément à grand chose que j'utilise ça, j'aurais fait peut-être un tir en plus, ou j'aurais survécu une demi-seconde en plus, mais ça aurait pas changé l'issue du combat. Par contre, quand on était en 3v3, là, pour le coup, je l'utilisais. Okay. Mais pas sur les armes, j'ai pu l'utiliser pour la défense. Oui, bah clairement, en fait, tu t'en sers pas mal pour tout, en fait. Quand t'as besoin de désengager pour restaurer tes shields, bah, tu boostes, puis ensuite tu vas dans les shields quand effectivement tu reçois plus de dégâts. Mais je trouve que les armes, pendant que tu tires, bah, déjà t'obtiens 5 munitions de plus, 6 sur un Gladius, pour chaque canon. Et ensuite ça augmente de manière considérable le temps de rechargement. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc effectivement, bah après, c'est vrai que je le fais surtout contre des... en PVE, parce que ça me permet de prendre l'habitude de le faire. Effectivement, quand t'as un mec qui dodge bien... Le problème, c'est qu'en PVE, en fait, aujourd'hui, les PNJ sont tellement à la ramasse que t'as aucune situation qui nécessite que tu fasses ça. Non, absolument. Mais par contre, tu peux l'optimiser, genre quand t'affrontes une grosse cible et que tu peux tourner facilement autour et qu'elle te touche pas, dans ce cas, tu mets tout dans les armes et t'es tranquille, quoi. C'est vrai. Ouais, absolument. Mais le problème, c'est qu'effectivement... En fait, si tu prends pas l'habitude de le faire dans une situation où t'es confortable, tu vas le jour où tu seras en stress, bah tu t'y penseras pas. Ouais. Donc c'est pour ça que je le fais de manière confortable, parce que j'avais essayé comme ça de faire un battle royale en Arena Commander. Je me suis fait fumer. les gars qui sont en Arena Commander, ils touchent bien, quoi. Ah, c'est des joyeux monstres. Hein. C'est des joyeux monstres, mais du coup, ouais, c'est... Là, en l'occurrence, je sais que je l'ai beaucoup plus utilisé, la gestion de puissance dans le dernier combat. À jongler entre les shields, le boost et les armes. C'était intéressant. On a Grimex, il y a des cadavres par terre, tout va bien, c'est normal. Tout va bien. Les mecs en Arena Commander, ils jouent pendant des heures et des heures. Ouais, et c'est des putains de monstres en termes de niveau de dogfight. Hein. Moi, je le dirais jamais assez, j'ai un niveau de dogfight qui est... Allez, dans la moyenne, on va dire. Mais... clairement, j'arrive pas à la cheville de la plupart de ces personnes-là. Backpack. Celui-là. Donc nous disions, on va en acheter 10. Et donc, vendredi... On va faire le transfert de ces 10 backpacks vers leur ville. Résultat, s'il y a des pirates qui voudront me prendre en otage à ce moment-là, oui, là je vais transporter des trucs que potentiellement j'ai pas envie de paumer. Wink, bon, wink. Ce sera pour 10 000... Oui, pour 10 000 crédits, c'est... voilà. Mais effectivement, mais bon. C'est l'investissement en temps. C'est ça. C'est l'heure passée à le faire. Exactement. Bref. Je vais me décoller vocal pour passer sur Elden Ring. Donc, les gens. Des bisous et puis merci encore pour la petite balade tout à l'heure sur Daimar et puis pour le dogfight, c'était cool. Avec grand plaisir et à très bientôt. Et si jamais à un moment tu veux faire un. Je serais très content de faire un dogfight amical si à un moment ça te chauffe. Bah écoute, pourquoi pas, on peut s'organiser ça vendredi sans aucun souci. Une fois que j'aurai ramené mes backpacks. Ça marche. Parce que voilà. ça ferait chier de devoir encore une fois revenir à Grimex pour repartir sur leur ville. Je comprends bien. Après, vendredi, ça dépendra. Si jamais il y a le PTU, je pense que le PTU, je le découvrirai de mon côté. Ouais, en mode égoïste. Vendredi, je sais pas du tout. Enfin, je disais ça de manière très ouverte. Vendredi, okay. Je sais pas si je serai dispo. Voilà. Bah, y a pas de souci. Bah, Rulta, je te fais des bisous. Je te dis à très vite. Yes, des bisous. À très vite. Tchou. Bye. Donc nous on va faire une petite pause de 2 minutes, excusez-moi, le temps pour moi de modifier les paramètres du stream, d'aller me chercher à boire, de faire un bisou à madame qui est rentrée du boulot, et de relancer le stream donc sur Elden Ring jusqu'à 23h, on est en New Game Plus je rappelle, résultat ça va être marrant, ça va être fun, j'ai pas mal modifié mon personnage, modifié mon set, et j'ai encore pas mal de trucs à améliorer derrière, donc
Et surtout, on a la recherche de stuff que je n'aurais pas trouvé sur la première run, donc il y aura du backseat. Vous serez les bienvenus par rapport à ça, bien entendu. Bref. Pour les personnes qui étaient là que pour le Star Citizen, je rappelle que le replay de ce stream sera dispo donc, dès demain à 8h du matin sur la chaîne d'Airco Replay. Le lien est sous le stream, ça ne change pas. Prochain stream sur Star Citizen, ce sera vendredi, on l'espère, sur le PTU. Première vague de la 3.17. Ce serait cool. Et puis, j'ai tout dit. On va pouvoir tout spoil ? Oui, complètement, ça joue. Le backseat sera vraiment présent là tout à l'heure, donc aucun souci, aucun problème. D'ailleurs, pour vous dire, hein, j'ai déjà regardé les autres fins disponibles de Elden Ring sur YouTube. On va juste m'aiguiller un petit peu par rapport à ça. Vous allez voir que je suis pas ultra méga avancé, mais je me suis quand même bien avancé. Hein. J'espère en tout cas que ce petit stream sur Star Citizen vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Twitch et YouTube. Tous les liens importants sont sous le stream et dans la description de la vidéo pour ceux qui voient ça en replay sur YouTube. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.